Kuma Machaka. Les enfants sont là. Gazuma Machaka. Le dieu des hasards. Gazuma Machaka. Crée notre bonheur et donne-nous des richesses. Peraza, Sumaza, Masiza, Masiza, la beauté de la vie et l'étreinte glacée de l'au-delà. Gazuma Machaka. 100% Pourra, nous sommes les fils de la nuit. Nous sommes enfants de Gazuma Machaka. Prends nos âmes, prends nos êtres. Prends l'essence de notre existence et en retour, donne-nous des richesses. Feraza, Sumaza, Matisse, la beauté de la vie et l'étreinte glacée de l'au-delà. Et voilà, on y est. Ah, t'es rentré. Oui, oui. Comment tu vas? Ah, désolé, mon frère. Écoute, t'as de la monnaie, je te dois combien déjà? 500. 500, t'as la monnaie de 1000 naira? Non, je n'ai pas de monnaie. Oh, t'as pas la monnaie? Oui, j'en ai. Attends-moi, j'arrive. S'il te plaît, attends qu'elle revienne. T'as fait ton mieux, je t'assure. Il ne me reste plus qu'une 1000 naira en poche. Te fâche pas. C'est bon, t'as trouvé? Je suis là. Merci, hein, mon pote. Merci. Merci. Grand frère, merci beaucoup pour cette nourriture. Je t'en prie. Où l'as-tu acheté? Acheté? Non, on n'a pas acheté ça. Il est là cuisiné. Attends. Tu veux dire qui a préparé cette nourriture avec ce poulet? Bien sûr, c'est elle. Steven, dis-moi la vérité. Est-ce qu'elle doit recevoir sa réunion aujourd'hui? Loin de là. Écoute, s'il te plaît, en réalité, hein. C'est comme ça qu'on se régale dans cette maison. Et tous les jours, à peine qu'on commence à manger, sans même s'en rendre compte, tu verras les souris, les chèvres, les chiens et les poules des voisins viennent dans notre concession pour aussi manger les restes. Steven, est-ce que tu es en train de me mentir? Grand frère, on se régale. Attends. Tu veux dire que vous mangez ce genre de nourriture régulièrement? Constamment, on n'en manque pas.
Aujourd'hui même, c'est rien du tout. L'option a juste fait un petit riz juste comme ça et on y a posé une cuisse de poulet par respect. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Sais-tu que quand j'étais à Kano, chaque fois que je demandais à Ie de m'envoyer un peu d'argent, elle se plaignait de ne pas avoir. Donc vous avez assez d'argent dans cette maison? Ça c'était... J'étais pas au courant de cela. Steven. Merci beaucoup. Je voudrais personnellement te remercier pour ta gentillesse. Pour les cartes de crédit que tu m'envoyais quand j'étais à Kano. Ça c'est le passé, ce qui est passé déjà derrière nous. Steven, écoute-moi bien. Tu es mon sang. Et je te promets aujourd'hui que cet emploi dont j'ai postulé, si ça aboutit, s'il me paye des millions, la première chose que je ferai, c'est de t'envoyer à l'étranger pour tes études. Hey. Au Canada surtout. En fait, j'aimerais étudier la médecine. Au Canada. Ah. Continue à vous faire des films. Maman Ie, bienvenue. Salut. Donc ta formation est terminée. Mais Ie, je croyais t'avoir parlé de ça au téléphone. Et quelle était ma réponse? Qu'est-ce que j'ai dit? Je croyais que tu plaisantais. Moi? Blaguer? J'ai l'air de quelqu'un qui a l'habitude de blaguer. Ne t'ai-je pas demandé de rester à Kano pour te battre? J'ai entendu dire qu'on vend les chèvres là-bas. Donc on vend les chèvres là-bas? Tu as laissé ces chèvres, tu as laissé la débrouillardise pour revenir au village les mains vides, n'est-ce pas? Non, il n'est pas venu brabalant, il a apporté... Ferme ta bouche, ferme ça! Tony, est-ce que tu sais combien j'ai dépensé pour t'envoyer à l'école? Hein? Un instant. Qu'est-ce que tu manges? Tu as même le culot de prendre ma cuisse de poulet. Non, Ie, c'est pas la cuisse, c'est l'être... Allez, tais-toi. Aïe. Tais-toi. Hey, toutou, pépé, Officier du réjouissement, réjouis-toi. Continue à manger. Régale-toi. Régale-toi et oublie que tes égos t'ont dépassé de plusieurs manières. Tu vois cette maison? Je ferai de cette maison un enfer pour toi. Ie, c'est pas juste au... C'est pas... Je vais t'en coller une. C'est pas juste. Grand frère, mange. Ne gère pas ces histoires-là. Mange. Elle a dit que tu n'as rien apporté. Tu sais, en fait, tu as rapporté plein de trucs. Cette boisson me fait oublier tous mes soucis. Tu penses encore à ça? Sandra, je veux juste te dire que je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir frappé. Je suis vraiment désolé. C'était sous le coup de la colère. Comment est-ce que je t'ai frapperai? J'étais juste en colère. Je suis désolé. Et tu m'as aussi traité de prostituée. Comme je te l'ai dit, c'était sous l'effet de la colère. Je suis désolé. Puisque tu es en train de me demander pardon, je te pardonne. Tu m'as pardonné juste comme ça? Merci beaucoup, hein. Merci. Merci, merci. Sandra, je... Écoute, en fait, qu'est-ce j'ai 1000 naira ici avec moi. Il y a 1000 naira dans ma poche. Mais le fait est que où je m'en vais, là... tu connais ces chauffeurs de kéké. Ils diront toujours qu'ils n'ont pas de monnaie. Si tu leur donnes 500, ils n'auront pas la monnaie. Et où je m'en vais me coûtera environ 100 à 200 naira, d'accord? Aller-retour. Alors je me disais que tu pourrais m'aider avec ces 200 naira. Et quand je vais faire la monnaie des 1000 naira, je te rembourserai ces 200, je t'en prie. Aide-moi dans ce sens-là. Juste 200. Juste 200. Ok, je vais te les donner. Hein?
Ne t'inquiète pas, je vais te le donner. Dieu te bénira, d'accord? Il va te bénir. Ah, ah, je peux même te donner 5 millions. T'en es sûr? Mais oui. Et je te remercie beaucoup, hein. Cet argent que tu m'as donné, de garder pour toi, je vais le prendre et te le donner. Oui. Oui. Mais Sandra, pourquoi ces insultes maintenant? Comment ça, non? Non, mais tu m'as demandé de l'argent. C'est très facile, je vais te donner 5 millions de naira dans l'argent que tu m'as donné de garder. Espèce de feignant. Homme inutile. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que tu es un fou. Un homme stupide. Big Joe, ou peu importe comment tu t'appelles, tu es un homme stupide. Regarde-toi. Ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que tu te fais appeler Big Joe. Toi, ta destinée, ta génération tout entière, vous êtes petit. Oui? Écoute-moi très bien, Sandra, je vais pas tolérer ces insultes, d'accord? C'est pas parce que je t'ai demandé 200 naira, juste 200 naira, pour aller quelque part, que tu vas m'insulter. Hein, à cause de 200 naira, n'ose même pas m'insulter. Tente de le dire, je vais m'en sortir. Je vais trouver un emploi. Je trouverai un travail où on me payera une grosse somme d'argent. Et quand ils vont commencer à me payer ce salaire, tu seras pas là pour en profiter avec moi. Tu le sais très bien, je te mets juste au courant. T'entends? Hé, tu es encore en train de rêver. Tu vas réussir? Où? Dans quel pays? Où? Tu vas réussir, petit Joe? Petit Joe, arrête de rêver. Tu ne vas pas réussir. Je vais réussir. Je ne peux pas réussir. Regardez-moi qui va se perdre de l'argent. Tu vas réussir. Quand? Où? Et comment? Regardez-moi ce feignant. Écoute, je te permets pas de m'insulter. Ça, je te préviens. Je vais réussir dans cette vie, que ça te plaise ou pas. Et comme je l'ai dit, tu seras pas là. Tu seras plus là pour manger cet argent. Mon salaire, une grosse somme d'argent. Tu seras pas là. Arrête de rêver, espèce de fou. Tu es un pauvre type, hein? Vas-tu te faire de l'argent un jour, Big Joe? Excuse-moi, je veux dire petit Joe. Vas-tu te faire de l'argent un jour? Regardez qui va se faire de l'argent. Allez, dégage de là. Oh, tu penses que j'ai oublié cet argent que j'avais l'habitude de te donner? Tout le temps, donne-moi 200. Tout le temps, donne-moi 500. Tout le temps, donne-moi 1000 francs. S'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. Tout ça, tu crois que j'ai oublié? Tu vas me rembourser cet argent. Sandra. Petit Joe, tu vas me payer cet argent. Sandra, comment peux-tu être aussi mesquine? Hein? Regarde, Mesquine? Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, petit Joe. Tu verras. Feignant. Tu n'arrives même pas à te nourrir. Imbécile. Dégage d'ici. Ça va, je t'en veux pas. C'est de ma faute, tu viens te demander 200 naira. Je vais m'en aller. Je vais partir, il pleut, mais il n'y a pas de souci. Je vais marcher tout doucement et je vais arriver quand même où je vais. Le fait est qu'il n'y a pas de parapluie dans cette maison. Je vais marcher, il n'y a pas de souci. Après tout, j'ai pas de voiture, mais c'est pas un problème. Cette pluie est bien tombée. En marchant sous cette pluie, elle va te faire du bien. Il faut que cette pluie frappe et lave cet esprit de pauvreté qui est dans ta vie. Idiot. T'en fais pas, quand je serai riche, tu vas me chercher. Qui va te chercher? Je le sais, type. Tu vas me chercher. Hé, Sandra Oh, comment ai-je pu tomber aussi bas? Une belle fille comme moi, la plus belle du lycée. Hé. Now, wow. Comme je te disais, si quelqu'un m'avait dit que Sandra agirait de la façon qu'elle agit, je traiterais cette personne de grosse menteuse. Je te jure. Mon frère. Tu connais ma mère. Iye. Iye est pire. Iye, c'est ta mère. Moi, je parle de Sandra qui est ma petite amie. Sandra! Elle me stresse. Pourquoi tout ça maintenant? Mon frère, je suis fatigué. Ah, cela me revient. Qu'est-ce qu'il en est de cet entretien d'embauche? C'est plus précis. Tu sais qu'on a déposé nos CV un peu de partout. On a passé tout le monde à entretien. Rien. Okay. Alors tu parles duquel en particulier? Celui de Lagos, non? À la compagnie d'assurance. C'était comment? Tony? Je pensais que tu devrais oublier ce job. Pourquoi? T'es aveugle ou quoi?
T'as pas vu le genre de personnes qui y étaient? Hein? Est-ce qu'ils ont l'air des personnes qui peuvent s'infiltrer parmi les gens comme nous? Tu le fais exprès ou alors t'es vraiment aveugle? Hein? Ou alors t'essayes de dire que t'as pas vraiment vu? Écoute, laisse-moi te dire. On a déposé ces CV et nous sommes allés pour l'entretien il y a de cela 2 mois. Aucun appel, aucun message, même pas un email. Big Joe, tu as raison. Tu as raison, mais... Mais à ce que je sache, je crois quand même que toi et moi sommes assez qualifiés pour ce job. Oh, mais aussi à y réfléchir. Tu vois le genre de voiture flambant neuve avec lesquelles ils sont venus au travail? Est-ce que tu vois cette femme grasse? Celle qui est en train de manger du riz dans l'une de ces voitures. Sais-tu qu'elle était aussi là pour l'entretien? Ce que je dis... Quelqu'un qui est venu avec une Benz. Ce que je dis, c'est honnêtement, que... Honnêtement, si ce n'était pas ce pays, hein? Ah. Écoute, ce que j'essaye de te dire, c'est que... Personne ne nous disqualifie pour ce job. Personne ne dit qu'on n'est pas bon. D'accord, on n'est pas bon. Mais la vérité, c'est que ces gens-là, tu les as pas vus? Écoute, laisse-moi te dire, chaque personne que tu as vue là-bas est passée par une autre personne. Nous étions juste les seuls intrus dans le cercle. Je t'assure. Big Joe, nous devons faire quelque chose. Ouais? Nous devons faire quelque chose. Sérieusement? En ce moment, ma mère me tient à la gorge. Elle a juré de faire de cette maison un enfer pour moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tu ne fais que le répéter. Tu ne fais que répéter la même chose. C'est pourquoi je me suis fait à l'idée. C'est pourquoi je me suis fait à l'idée de commencer un business. Un business. Hey, Joe. Hi. Tu te moques de moi? Eh bien, je ne suis pas du tout surpris parce que depuis notre enfance, tu te comportais toujours comme ces garçons ibo du coin de la rue, ces garçons ouais, très débrouillards. Donc c'est toi, je ne suis pas du tout surpris. D'accord. Alors, dans quel genre d'affaires voudrais-tu te lancer? Je veux ouvrir une petite alimentation. Pas comme tous ces kiosques qu'il y a partout dans tout le village, non. Une petite alimentation, tu comprends? Une petite... Boutique? Alimentation, ouais. Si j'ai de l'argent, je vais mettre mon nom sur mon alimentation, tu vois? Si tu comprends? Mettre ça comme ça, grand comme ça, tu vois? Je vais le mettre là. Les gens viendront, je leur vendrai des provisions et autres petits trucs, et dans la nuit, je ferai sortir ma machine de pop-corn. Une bonne machine de pop-corn. Tu n'es pas sous? Je crois que tu étais sous. Non. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Vendre des pop-corn, sais-tu au moins qui tu es? Un diplômé! Hein? Un diplômé de 2e grade en administration des affaires qui vend des pop-corn? Tu n'as honte de rien, toi. Et puis quoi? T'as vraiment honte de rien. Et puis quoi encore? Allez, et oublie cette histoire. Et puis quoi encore? Qu'est-ce que j'ai accompli depuis que je suis diplômé de 2e degré? Dis-moi. Comme tu l'as si bien dit, j'ai étudié la gestion. La gestion et administration des affaires. Tu t'attends à quoi de moi? Je dois réfléchir au contraire. Réfléchir à une affaire que moi je dois faire, qui me sera bénéfique. Allez, c'est ça. Mec, c'est pas vendre du pop-corn, non? Ah ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais en même temps, je pense que tu as quand même et raison. Et bah voilà. Parce qu'on a souffert pour trouver du travail. Est-ce que tu sais qu'en deuxième lieu, je prévois utiliser notre déventure pour ouvrir quelque chose comme un bar où les gens viendront boire de la bière et avoir des spécialités au menu telles que le pépé soupe et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien, mais tu vois cet endroit? Cet endroit est trop vert. Et grand c'est vrai, pour un tel business. Raison. Si seulement tu avais un petit endroit, tu comprends? Ok, tu n'aimes pas cet endroit peut-être à cause de sa position. Probablement, les uns seront en train de regarder les autres en train de boire. Attends, je peux te montrer quelque chose. Un endroit où les gens peuvent se détendre et n'auront pas besoin de lever leur clôture pour des choses pareilles. Allez, ok, viens, je vais te montrer. Allons-y. Hey, voleur! Voleur! Yes. Hey, Tony! Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai? Tu veux vendre ma maison? Vendre quelle maison? Tony! Ah! Yé, bonjour. Et... Bonjour, Yé. Garde tes salutations pour toi. Tu parles à qui? Écoute, jeune homme, je ne suis pas prête à vendre ma maison parce que je l'ai construite à la sueur de mon front. Je ne suis pas prête à la vendre ni maintenant, ni jamais. Yé, qui est en train de parler de vendre ta maison? Toi, ferme-la. Ferme-la. Tu vas la fermer? Un instant. Il ne s'agit pas Dis-moi. De vendre ta maison, mais regarde un peu comment les gens sont en train de nous regarder comme des brigands Je et des voleurs. Je t'ai dit de la fermer. Qui est-ce? Qui est cette personne? Dis-moi. Ah. Qui est? Tu ne reconnais plus Big Joe? Mon ami mais d'enfant. Je ne le connais pas.
Comment tu espères que je connaisse quelqu'un qui n'a pas d'argent? Tu es sérieuse? Regarde le genre de personne avec qui tu te mélanges. Tu es sérieuse? Allez, dégage! Tu es sérieuse? Vous l'imaginez? Il mange mes arachides. Mais attendez... N'importe quoi! Vous osez toucher mes arachides. Mais regardez, vous les gaspillez. Je les gaspille. Vous n'avez même pas honte. Homme sans vergogne. Un jour viendra où tout ceci s'arrêtera. Ah, Big Joe, nous avons tellement travaillé aujourd'hui. Je suis épuisé. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Il n'y a pas de quoi, mon frère. Ah, je te remercie vraiment. Tu m'as aidé à nettoyer cet endroit. C'est rien du tout, mon frère. Merci. Mais je suis fatigué. Hey, dis-moi un peu. Et cette femme qui vend le pimenté? Elle passera bientôt. Elle va passer bientôt. La femme Yoruba, là. Oh. Sandra. Bon après-midi. C'est quand on a fini le travail que tu arrives? Oui, on a déjà rangé quelques trucs des dents. Qu'est-ce qu'il y a, Sandra? Pourquoi est-ce que tu ris? Ah, Big Joe, quel est cet endroit répugnant, hein? Pourquoi est-ce que tu m'humilies comme ça? Big Joe, sais-tu ce que tu as étudié à l'école? Laisse-moi te le rappeler. Tu as un Master 2 en gestion et administration des affaires. Explique-moi, s'il te plaît. Mais c'est quoi toutes ces bêtises? Qu'est-ce que tu fais dans cette boutique répugnante, non, Big Joe? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, c'est pas une boutique. C'est ce qu'on appelle une alimentation. C'est par là que je vais commencer. Une alimentation veut simplement dire un supermarché à l'avenir. C'est ce que je fais. C'est pas comme si je perdais mon temps. Je sais ce que je veux. Ça grandira. Ah, s'il te plaît. Où est la différence? Dis-moi. Hein? La différence? Regarde, Big Joe, tu me fais honte. Sais-tu comment j'avais l'habitude de me vanter que mon fiancé est un diplômé, qu'il est un grand type? Maintenant, regarde, c'est... cette maudite boutique de village. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Tout ce que je sais, c'est que... tout n'était qu'une perte. Mon argent, mon temps, mon énergie... absolument tout ce que j'ai mis sur toi n'était qu'une perte de temps. Autant te le dire si tu ne le savais pas. Ha! T'es qu'un gaspillage de projet si tu ne le savais pas. Tu devrais te contenter pour celui-ci au moins. Quoi? Laisse ça! C'est mon alimentation. Quiconque t'a fait ça, ne verra pas du bien. Le tonnerre va frapper cette personne. Qu'il te frappe toi-même. Dieu va punir cette personne. Qu'il te punisse toi aussi. Il va la punir. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il punira les gens de ton genre. Ce genre de personne que tu es. Dieu va te punir. Toi aussi. Tu ne peux rien dire. Tu t'attends à ce qu'ils disent quoi? Quelqu'un qui m'assiste? Toi, t'as fait quoi? Il m'a aidé à nettoyer cet endroit de fond en comble. Quoi? Ça? C'est une boutique, ça? C'est ça. Ça, c'est une boutique? Laisse ça pour moi. Laisse ça. Faut partir, va-t'en. Vas-y. Je pars. On se ressemble. Oui, on se ressemble, c'est pas grave, on l'accepte. Big Joe. On se ressemble. Tu vas venir me retrouver à la maison. Je t'attends là-bas. Tu vas voir, c'est à la maison. Je vais voir. Continue de jouer les grandes dames partout. T'as rien, ta vie n'est à rien du tout.
tout dans ta vie ressemble au noir. Je t'attends à la maison. Vas-y. C'est à la maison que je t'attends. Vas-y, ouais. Fous le camp. Big Joe. Ah, je suis désolé, mon Big pote. Big Joe, je le jure devant le Seigneur Tout-Puissant, que si cette fille n'était pas ta petite amie... Mec, calme-toi, calme-toi. Je jure que je l'aurais frappée. Qu'est-ce qui peut pas chez cette fille? Tu vas pas quand même la frapper, calme-toi. Hein? Non, mais regarde un peu le chapeau qu'elle porte. Vous avez porté la même couleur. Tu as la même couleur, non? Ouais. Calme-toi, tu craches sur moi. Non, mais regarde-moi celle-là. Je ne t'en veux pas. C'est bon, calme-toi. Je te jure que je vais t'en coller. Ne t'en fais pas. Tony, c'est bon. C'est quoi cette... Je te dis que c'est bon. C'est mieux que je te dise. C'est mieux que je te dise. Vois cette fille. Ne la permets pas de te tromper. Elle ne peut pas. Aussi longtemps que moi, Tony, ton ami, est impliqué, mon frère. Tu es sur la bonne voie. Ouais, je sais, je suis sur la bonne voie. Cette fille m'a vraiment mis en colère. T'énerve pas. Ah, c'est bien ce que tu fais. Je sais. Oublie cette je vais pas tout plaquer. Je suis affamé, cette espèce de fille. Viens m'énerver. Oublie cette fille. Je sais que t'as faim, mais il faut l'oublier. Aïe! Oh, ce soleil, on dirait le feu de l'enfer. Ça chauffe. Sandra, t'es en train de manger? Écoute, Sandra, à propos de ce qui s'est passé à la boutique. Écoute, la prochaine fois, je t'en prie, si t'as envie de me dire quelque chose. Attends que je rentre à la maison, tu me fais rasseoir. Pour qu'on puisse parler. Pas besoin d'afficher ce genre de comportement que t'as affiché. Là-bas, mon alimentation, ça n'a pas de sens. Je sais que t'es quelqu'un de très calme. Et tu devrais agir de la sorte. Tu comprends? Écoute, je suis désolé, ça n'arrivera plus. Je suis désolé. Sandra, j'ai dit que je t'étais désolé. Sandra, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ma part de nourriture? Je pensais que comme tu manges là, t'as dû garder ma part dans la chambre. Mais y a rien, tu m'as rien gardé, qu'est-ce qui se passe? Hein? T'aurais dû garder ma part, non? Victor, tu m'as donné de l'argent pour réparer dans cette maison? M'as-tu donné de l'argent pour faire à manger? Réponds-moi, non? Mais il devrait y avoir quelque chose à manger pour moi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien pour moi? Pourquoi? Tu m'as laissé de l'argent. Hein? Big Joe, respecte-toi. C'est un homme comme toi qui m'a fait sortir et m'a acheté cette nourriture. Oui? Et ce jus, un homme comme toi. C'est un homme comme toi. Tu me racontes des bêtises. Il y a de toi, tu veux manger de la nourriture. Allez, voyons, Sandra, t'as pas besoin de m'insulter comme ça. Est-ce qu'il y a assez de piment dans la sauce? Tu es vraiment un fignon, bêtise. Ah non, Sandra, s'il te plaît, ne m'insulte pas. M'insulte pas, écoute, je vais te dire. Ce que tu fais là n'est pas juste. C'est pas juste du tout. Ce tapioca que j'ai gardé là, celui que j'ai mis dans la chambre, il y en a toujours? Hein? Comme si tu m'as donné de l'argent pour en acheter. Va là-dedans. Tu verras un sac tout entier, c'est là-bas. Et wow! Cette nourriture est succulente. D'accord. Ah. Tu manges tranquillement, sans garder ma part. Big Joe. Big Joe, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Pourquoi manges-tu ma nourriture? T'as dit que c'est un homme qui te l'a acheté, non? Oui, oh. Et c'est pourquoi tu ne m'as rien gardé? Bonjour, Ie. Bonjour. Ça s'est bien passé. Mon chéri, comment ça va? J'espère que tu n'étais pas stressé. Tony? Ie. Tony? Ie. Viens un instant. Ie, tu m'appelais?
Oui, viens là. Je t'ai appelé. Viens. Ah. Yé. Oui. J'aimerais que tu regardes très bien ces articles. Je les regarde déjà. N'aie pas peur. Touche-les, tiens-les, sens-les. Touche-les. Qu'est-ce que tu en penses? Yé. C'est la bonne qualité. C'est très joli. Eh bien, lorsque je les regarde, ça doit coûter cher. Yé. Ne me dis pas que tu prévois ouvrir une boutique. Eh oh. Non. Je ne planifie pas d'ouvrir une boutique. Tu connais Osazuwa? Osazuwa. Mm. Le fils de Sege? Eh, eh. Celui-là qui vit en Allemagne? Exactement. Ah, c'est il lui. Était mon... Eh, ça suffit. Tu as bien vu. Et tu sais que tu as une très bonne mémoire? Ah, bien dit. Merci. Et est-ce que tu sais également que toi et cet Osazuwa, vous êtes des égaux? Ah, je le sais bien. Et en fait, je t'ai donné naissance 2 semaines avant qu'il ne naisse. Contrairement à toi, il n'est pas allé à l'école. Son père est mort le même jour où il est né. Mais aujourd'hui, il a construit un duplex pour sa mère. C'est lui qui m'a rapporté ses affaires. Mais, Yé, est-ce pour cette raison que tu nous as appelés? Oh, je t'ai appelé. Tu es devenu Tony. De toutes les façons, je ne t'ai pas appelé. J'ai uniquement appelé Tony. Je l'ai appelé pour lui faire savoir à quel point ses égos l'ont dépassé dans la vie. Ah bah, Yé. Écoute, ils pourraient être la même génération. Ils sont peut-être la même génération, mais ils ne sont pas partenaires de destinée. Mon ami, ferme-la. Ferme-la. Ils ne sont pas partenaires de destinée. Donc, Tony, ton frère cadet est désormais ton porte-parole. Steven est maintenant ton porte-parole. Tu as perdu ta langue. Yé. Dis, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu es toujours en train de me parler ainsi? Pourquoi est-ce que tu trouves toujours chaque petite opportunité pour te moquer et me ridiculiser? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hier, je te le dis, Dieu m'est témoin, que j'ai fait tout ce qui est humainement possible pour trouver un travail. J'ai postulé dans plusieurs entreprises. Qui ignore qu'il n'y a pas du tout d'emploi dans ce pays? Je sais tant bien que mal. Parce que ça ne marche pas, c'est comme si je ne faisais absolument rien. Non, va dans ta chambre. Détends-toi, amuse-toi et le travail viendra te trouver là-bas. Non, va attendre ton boulot dans ta chambre. Vas-y, mon très cher paresseux de fils. Espèce de bon à rien. Yé, c'est pas juste au... Tu t'adresses à qui comme ça? The agonies of life have taken away my joy. Temptations everywhere, who will help me out? Who will understand my pains? Life, what have I done? No one to help, no one to tell. Oh God, please come wipe my tears. God of justice, my life is in your hands. Mon gars. Eh oui, mon pote. L'homme d'affaires. Tony. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Hey. Viens là, viens. Ne cache pas ma boutique. Assieds-toi. Ce mec, oh. Assieds-toi, tu vas pas quand même cacher ma boutique. La ferme, frangin. Hey, j'espère au moins que les gens y entrent. Mon frère, si je te disais que j'avais pas encore vendu un sachet d'eau, tu ne vas pas me croire. Vraiment? Je t'assure.
Quoi ? Rien, rien du tout. Oh, ne t'en fais pas, hein. Je crois qu'avec le temps, les clients viendront. Exactement. Tu sais, c'est ton premier jour aujourd'hui et ta première fois. Je sais. À cet endroit, certainement, ils ne te connaissent pas encore très bien. Mais avec le temps, ils viendront. Tu sais, cette vie, hein, c'est comme un enfant lorsqu'il commence à grandir. La poussée dentaire est souvent très douloureuse. Mais une fois qu'il a toutes ses dents, elles deviennent comme des armes. Alors, c'est comme ça qu'est la vie, hein? Ouais, c'est D'accord? ça. D'accord. Merci, merci beaucoup. Ne t'en fais c'est pas. C'est pas facile, je me bats encore. Regarde, j'ai juste acheté ce sac de riz. Wow. Et c'est un riz de bonne qualité. Puis j'ai passé la commande des Indomie en carton et demi. Tu l'as fait? Bien sûr. Regardez ce businessman. Avant de te rendre compte, un jour tu seras déjà comme cet homme-là, Namambra. Ah, mais non, c'est non, un non, tout non, autre non. niveau. Ah, mon frère, l'autre-là. Si j'arrive à ce niveau, ah, mon frère. Ah, ça sera oui. Le pied. Moi aussi, j'aimerais faire des affaires. Mais tu dois commencer de quelque part. Hey. Bon après-midi. Bon après-midi. Vous avez une bouteille d'eau? Oui, j'en ai. Laquelle vous voulez? Glacée ou fraîche? Glacée. Glacée? Ouais. Apporte-en deux. D'accord. T'as apporté de la chance. Je t'ai apporté de la chance. Je t'avais dit. Tu vois? Monsieur, désolé pour les emballages. Le gars chez qui j'ai commandé les emballages ne les a pas encore livrés. Ah, merci. Ça fait combien? 200 naira. 100 naira la bouteille. Boss, j'ai ouvert cette boutique aujourd'hui. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai vendu quelque chose. J'ai rien vendu, du coup j'ai pas de monnaie. C'est bon, tu peux garder la monnaie. Garde la monnaie en tant que ton premier client de la journée. Quoi? Ouais, c'est bon, tu peux la garder. Merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse. C'est 1000 naira et la monnaie que vous m'avez donnée de garder me montre que ce business est quelque chose de positif. Et cela m'ouvrira des portes, des très grandes portes. Je vous remercie énormément. Que Dieu continue de vous bénir. Qu'il continue d'augmenter les sources de cet argent. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est bon. Encore merci, hein. Oh, être mon premier client et me faire cadeau de la monnaie. Quoi? Regarde, hey. 1000 naira, il m'a demandé de garder la monnaie. Tu es sérieux? Merci, monsieur. Merci. Merci. Je te l'avais dit. Je te et l'ai là, je vois que ça. Je t'ai apporté de la chance. Hey! Regarde-moi ça. 200 naira pour 1000 naira, il me demande de garder la monnaie. Seigneur! Je t'assure. Je te l'avais dit. Tu as vu ça? Je t'ai apporté de la chance et tu me donneras raison. Regarde un peu ce genre d'homme, avec ce genre de voiture. Il est en train de revenir. J'espère qu'il ne revient pas pour récupérer la monnaie. Hey, pourquoi ferait-il une telle chose? Écoute, comme je l'ai dit, je viens d'ouvrir la boutique et je vous assure que j'ai pas de monnaie. Et j'espère que quand vous êtes revenu, c'est pas pour demander la monnaie. Pour vos 1000 naira. Écoutez, ma famille. Dans ma famille, il y a un adage dans ma famille. Lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose et que vous l'avez mis dans votre poche, ne la sortez plus. Alors je sais pas comment je vais faire pour vous le remettre. S'il vous plaît, je l'ai déjà investi. Big Joe. Big Joe, le chef de classe. Attendez, je comprends pas. Comment est-ce que vous me connaissez aussi bien au point de savoir que j'étais chef de classe? Big Joe, c'est moi, Donald de Upper Lawani. Nos maillots. Donald? Oh, voilà, toi, Donald? Ah! Donald! Big Joe. Ah, Donald? Big Joe. Donald! Ah, attends, mais c'est toi! Tony, tu vois ce mec? On était ensemble, on était ensemble. Il était un bon gardien au goal, à l'époque du collège. Donald! Et il est grand. Mais puisque je t'ai dit que c'est lui! Je vous salue, monsieur. Je vous salue, monsieur. Je vous salue, monsieur. Donald? Donald! Tiens! Donnie! Vois-tu, Donald est mort. Maintenant, c'est Don Million. Don Billion! Don Billion! Big Joe!
Ah, désolé. Don B. Oui. Oh, j'arrive pas à y croire. Mince alors. Mon frère, c'est triste de penser que notre pays est arrivé là. Notre pays ne peut pas continuer ainsi, non. Chaque année, nous avons des millions de diplômés sortis des universités. Je t'assure, regarde-nous. Juste une poignée de personnes qui trouvent un emploi. Vous parlez juste d'université? Qu'en est-il de nous qui sommes passés par le service national? Rien, pas d'emploi. Oui, tu as raison. Je sais. C'est vraiment triste. En fait, pour avoir ces emplois, il te faut une connexion. L'avenir du Nigeria est fait d'escrocs. D'escrocs. Et même pour avoir cette connexion, mon frère, tu as besoin de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour finalement l'avoir. Et pour ça, il faut que cette personne connaisse une autre personne. Oui, bien sûr. Il faut pas juste connaître une personne, il faut connaître la personne de la personne. Qui connaît une personne. Chaque fois que je vois notre jeunesse qui se pavane dans les rues, ça me fait vraiment mal. Oui, c'est vrai, c'est ça. On a investi dans tout, tu fais des services et puis tu rentres. Tu reviens, rien. J'ai juste ouvert ce petit truc. Bien, tout ira. Big Joe. Oui. Je dois m'en aller. Parce que j'ai une importante manifestation à laquelle je dois assister. Vu que je suis l'organisateur de cet événement. Ton ami n'est pas du tout une petite personne. Billion. Je t'en Billions. Prie. Donald. Big Joe. Hey, mon frère. Donald. Ok, tu sais quoi? Tiens, ça c'est ma carte. D'accord. Appelle-moi pour que nous sortions ce soir. Hey, mon frère, attendez un peu, hein. On ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas, hein. Je vais me joindre à lui, oh. Si vous ne voulez pas m'inviter, je vais m'inviter moi-même. Ibo, viens avec lui. Il viendra avec moi. Rassure-toi vraiment qu'il m'appelle. C'est fais-le. Écoute, merci, c'est, hein, très c'est important. Gentil. T'inquiète pas, je mon vais frère, t'appeler, je peux pas mon oublier. Frère, n'oubliez pas. Je vais le forcer à t'appeler. J'entends votre appel. C'est très important. Merci, d'accord. Monsieur. En fait, je vais la plier. Et quand je voudrai utiliser cet argent, je appelez-moi. Vais t'appeler parce que je vais l'avoir. T'en fais pas, je vais il l'appeler. Il m'appelle. Il le fera, monsieur. Mais t'as vu ces mecs c'était mon cadet. Gère attends, mon petit, attends, tu vois. Big Joe, tu dis que ce gars était vraiment ton camarade de classe? Quand je parle de cadet, je veux dire mon petit frère, parce qu'à l'école, j'étais chef de classe. Je l'aidais à faire ses devoirs et autre chose. Toi? Vraiment, je t'assure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Regarde-le, regarde-toi. En plus, tu t'appelles Big Joe. Et qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu ne le comprends pas? Pas de problème, non? Avec le temps, tu comprendras. Regarde celui que tu encadrais. Et maintenant, regarde-toi avec ton chapeau. Et devine quoi? Sais-tu ce qui s'est passé aujourd'hui? Imagine ce qui s'est passé. J'ai rencontré un vieil ami. Un vieil ami à moi. Félicitations. Regardez-moi ça. Je devrais sauter et être contente parce que tu as rencontré un vieil ami. Grand frère, tu m'as l'air troublé. Qu'est-ce qui te préoccupe? Oh, Steven. Peux-tu y croire que j'ai rencontré un ami, un vieil ami à moi aujourd'hui? Un vieil ami? Un ancien camarade d'école. Et j'étais très content. Lorsqu'il a dit qu'il va aider Big Joe et moi. Ok. J'ai couru pour venir le dire à Ie. Mais je n'arrive pas à y croire qu'Ie n'était pas content de cette nouvelle. Grand frère.
Cela devrait être une célébration. Honnêtement, tu devrais t'en réjouir. Écoute, ne permets pas qu'il y ait t'empêche de vivre ton bonheur. Parce que je sais que tôt ou tard, tu finiras par changer l'histoire de cette famille. En fait, tu pourras nous acheter une très grosse voiture. Tu construiras toute une villa. Et pour finir, il dira que tu es son fils. Que Dieu t'entende. Ah, tout ce qu'on vit, tout ce que tu vis là, finira par changer. Et il retrouvera le sourire. Dieu. Seigneur. Je suis impatient de voir ce jour, Seigneur. Très parce bientôt. Parce que j'ai souffert. Je sais. J'ai souffert. Te demander de réussir dans la vie a fait de moi une mauvaise mère, n'est-ce pas? Je te fais souffrir. Écoute, si ça c'est ta définition de la souffrance, tu n'as encore rien vu. Jusqu'à ce que tu m'enlèves de cette pauvreté. Et toi? Si tu veux, suis les pas de ton frère, qui a suivi les pas de ton albinos de père. Ton père qui m'avait épousé avec tant de mensonges. À la fin, un bel homme, mais sans argent. Ie. Je suis très optimiste que Dieu va certainement me bénir un jour. Je promets de te faire sourire à nouveau. Je t'en prie. Je le ferai. Ça, c'est exactement ce que ton père m'avait dit. Et nous en sommes là aujourd'hui. Mais, Ie. Allez, ferme ta bouche. N'importe quoi. N'importe quoi. Grand frère, je dois te dire la vérité. Ne laisse pas Ie détruire ton bonheur. Hein? Parce que parfois j'observe Ie et je la suspecte. Je soupçonne cette femme, mais crois juste en toi. Sache qu'un jour, Dieu, qui répond toujours aux prières, des tierces personnes finira par répondre aux tiennes. Steven, grand frère, mon frère, merci beaucoup pour toutes tes paroles d'encouragement. Ça va aller. Parce que je te promets de te bénir le jour où Dieu décidera de me bénir. Waouh! Oui, je sais que tu rêves de bons téléphones. Bien sûr. Je sais que tu rêves de très bons téléphones. L'iPhone. Sans problème. Je vais t'acheter un iPhone. L'iPhone 13. Steven, écoute, je ne sais même pas quand et comment est-ce que cela se fera. Mais lorsque Dieu me bénira, même si c'est l'iPhone 13 que tu voudras en ce moment-là, je te l'achèterai. Je te fais confiance, grand frère. Je te fais énormément confiance. Écoute, laisse-moi te dire, peu importe ce qui est fait, ne prends pas ça à cœur. Rappelle-toi que je t'aime. Je t'aime aussi. Tu fais mon bonheur et tu es ma joie. Je t'aime beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Je suis heureux quand je te vois sourire comme ça. Merci. Souris encore pour moi. Allez, vas-y. Grand frère, ça va aller. Oh. Grand frère. Quoi? Tu te souviens du bouillon de viande de brousse, là? Je t'ai gardé ta part. Steven, où ça? C'est à l'intérieur. Allons-y, allons, mangez le truc. Sato, tu m'achètes du riz, hein? 100 naira. Demande-lui de me mettre le haricot. Le haricot de 30 naira. 30 naira. Et wa. Et dodo, que ce soit bien servi, oh. Le jaune. Condom pour 50 naira. Et tu me mets un morceau de foie. Hein? Tu sais que parfois j'ai envie de faire certaines choses comme ça et mon foie finit par me décevoir. Le foie de 100 naira, pour que mon foie garde l'énergie, hein? Tu achètes le foie de 100 naira. 100 naira. Hein? Le noir. Ce qui est noir. Et tu viens chez moi. Hein? Où ça? Tu me rejoins. Ah, Yamu. Oumoué, tu as dit quoi? Ah, Yam. Quel vient c'est toi? Ah, n'est-ce pas vrai? Sato. Mon frère. Hein?
Non, je ne comprends pas. Mon frère, quoi? Oya. Mon frère. Je jure au nom de Dieu. Je dois te dire la vérité. Sato. Je te dis la vérité au nom de Dieu. Je t'en prie. Tu veux déjà me mettre dans les problèmes? Mon frère, attends que je te dise la vérité, non. Mon frère, il a demandé que j'achète du riz. Du riz. 100 naira. Il a demandé que j'achète du haricot. 30 naira. Idodof, 50 naira. Ensuite, il a demandé que j'achète du foie. Le noir. Que parfois, quand il veut faire certaines choses, il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas de foie. Que je lui achète du foie. 100 naira. 100 naira. Alors tu t'es transformé en docteur indien. À je qui on donne du foie, Sato? Donc tu es un docteur indien. 100. Non. Sato. Mon frère, j'ai passé juste. Passage, hein? Tu étais juste de passage. Oui. Hey. Tu es une passante. Wawa. Tu ne sais à rien. La non. Si tu bouges, Sato. Ne bouge pas. Sato. Mon frère. Sato. Si tu bouges, je te dégage. Sato. Sato. Non. Mon frère. Bouge mon pas. Frère. Sato. Mon frère. Sato. Sato. Yamo. Osao. Yamo. Osao. Yamo. Où nous mettre, ouais? Combien de fois t'ai-je appelé? Mais si tu veux, tu comptes, non? Ça, c'est ton problème. Osao. Hein? Avec ton visage qui est noir. Noir comme le derrière d'une marmite. Tu vois? Tu es un être humain vraiment ignoble. La folie te dérange. Osao. Je ne suis pas ton égal pour que tu m'insultes n'importe comment, hein? Osao. Oh, dis-moi ce que j'ai fait pour que tu te mettes à m'insulter comme ça. Tu me demandes ce que tu as fait. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? Attends voir. Mm. Tu donnes à ma sœur, Sato. Mm. Ma sœur. 100 naira. Mm. Pour qu'elle t'achète du riz, n'est-ce pas? Oui, le riz de 100 naira. Okay. Tu lui as donné 30 naira pour qu'elle t'achète du haricot. Mm, ewa. Ewa. Mm. Bon, voir. Et puis, tu lui as donné 50 naira pour qu'elle t'achète. Itodo. Itodo. J'ai même demandé qu'on serve bien. Oui, pour que ça soit beaucoup. C'est ce qu'elle lui a dit, non? Et puis, tu lui as donné. Tu lui as donné 100 naira pour qu'elle t'achète ce truc noir qu'on appelle foie. Mm. Foie. Mm. Tu lui dis que tu n'as pas de foie pour qu'elle fasse quoi? Elle est devenue un docteur indien? Je ne mange pas du foie, toi tu veux en manger. Mieux de toi. Yamo. Tu as de la chance. Tu vois ta vie? Est-ce que tu vois? Je me suis dit, comme tu es mon ami, que ta soeur m'aide à acheter du riz, le dodo et le foie pour que je vienne te voir et qu'on mange ensemble, sachant à quel point nous sommes proches. Regarde ce que tu viens de foutre alors. Oh, attends! Mais attends, attends! L'homme d'affaires. C'est ainsi que tu vas faire les affaires aujourd'hui? Big Joe. Dieu Tout-Puissant. Que m'arrive-t-il? Je t'en prie, Seigneur. Montre-moi ce que je peux faire pour remédier à cette situation pour toujours. Je ne suis pas inutile. Non. Je dois changer cette histoire. Je dois faire à ce que ma mère m'aime à nouveau. Y a-t-il quelque chose qu'elle ne me dit pas? Elle ne serait peut-être pas ma mère biologique? Non. Non. Elle l'est. Mon père m'a dit comment il avait enceinté ma mère lorsqu'ils étaient au collège. Et j'étais le produit de cette grossesse. Alors, pourquoi toute cette haine? Pourquoi cette haine envers moi? Grand frère. Ah, grand frère, arrête de t'infliger tout ceci, non? Qu'est-ce qu'il y a? Rossounou? Steven. Dis-moi. Dis-moi comment est-ce que je peux être concentré ou focalisé avec ces constantes humiliations de IE? Hein?
Elle m'oblige, voire même m'incite à faire des choses que je ne connais même pas. Comment est-ce que... Ce que tes égos font, fais-le. Moi, ta mère, je serais contente. Hein? Moi qui t'ai envoyée à l'université, qu'est-ce que j'ai en retour? Quoi? Rien du tout. Mais non, ce n'est pas normal. Ah bah... Yé. Toi, tu ne... Allez, ferme-moi ta bouche. Tais-toi. Laisse-moi parler. Écoute. Yé, laisse-moi parler. As-tu vu quelqu'un qui est parti au service d'honneur et fidélité et rentré avec des milliards de naira? Toute chose évolue de manière progressive. Étape par étape. C'est ça la vie. Yé, s'il te plaît, arrête de mettre la pression. Je t'ai dit de la fermer. En ce qui te concerne, Steven, quand j'aurai ton temps, tu vois ces bêtises et conneries que tu as sur la tête, je vais les couper. Yé, s'il te plaît. Yé, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Dis-moi un peu ce que j'ai pu faire de mal afin que je puisse te demander pardon tout de suite, tout de suite. Je t'en prie, dis-moi un peu où est-ce que j'ai eu à te faire du mal. Pourquoi tout ça? Gagne de l'argent. Je dis gagne de l'argent. Ainsi, je pourrais parler au milieu de mes amis, dans la rue, et même dans notre réunion des femmes vertueuses. Gagne de l'argent, mon fils. C'est la seule chose que tu puisses faire qui me rendra heureuse. L'argent est sucré, l'argent est également amer. Tais-toi. Idiot. Juste comme... En fait... Tu as les locks, moi aussi j'ai les locks. À qui est-ce que tu parles comme ça? À qui est-ce que tu parles comme ça? Moi? Je me parle à moi-même. Très bien. Grand frère, n'écoute pas Yé. Ne laisse pas qu'Yé te force à faire ce que tu ne veux pas faire. Calme-toi juste. Tout ira bien. Peu importe ce que ça va me coûter. Et peu importe quelles seront les répercussions. Je ferai tout ce qui est humainement possible pour me faire de l'argent. Je dois prouver à Yé que je ne suis pas un bon à rien. Grand. Arrête-toi. Je vais parler à Iye. Je verrai comment mettre face à cette histoire. Iye. Oh God, please come wipe my tears. God of justice, my life is in your hands. Please come, come to my knees. They are Ok, je te reviendrai. Ebor! 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 Monsieur? Ebor, n'est-ce pas que je t'appelle? C'est quoi ton problème? Depuis que je t'appelle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fous? Monsieur, j'étais aux toilettes. Mon ami, prends cette clé. Regarde la voiture, ouvre-la, elle est très sale. Nettoie-la, dès que la voiture est prête, je sortirai pour une visite importante. Entre-temps, j'attends une visite. Des femmes importantes, donc dès qu'elles viennent, fais-les entrer et amène-les dans mon espace personnel. Et rassure-toi bien que sa fille soit à l'aise, ok? Monsieur, elles seront au nombre de combien? Tout ton village. Mon ami qui est devant moi. D'accord, monsieur. C'est quoi ton problème? Je te dis que j'attends des visiteurs et toi tu me demandes combien elles seront? Oui, allô? S'il te plaît, excuse-moi, c'est juste mon stupide gardien là qui me dérange. Oh, on se débrouille au Nigeria, c'est pas mal. Tu connais le pays, l'économie est boiteuse.
Non mais oh, attends. Tu le connais pas plus que moi, alors attends. Je ne le connais pas, papa. Calme-toi. C'est bon, je me calme. Voilà sa voiture. Hey bro, salut. Soyez les bienvenus. Bon après-midi. Dites-moi, que cherchez-vous? Nous sommes à la recherche de Don. C'est chez lui ici, mais qui êtes-vous? Big Joe. Et Anthony. C'est vous? Oui, oui c'est ça. Ah oui, le pâton m'a pas fini. Ah oui, c'est merci. Entrez. Merci. Ok, entrez. Merci beaucoup. Merci. Soyez les bienvenus. Attendez, patientez. Attendez d'abord ici. D'accord. En fait, c'est moi le contrôle général de cet endroit. Bien. D'accord. D'accord. Laissez-moi vous conduire où se trouve mon patron. Oh, merci, monsieur. Ça alors, on dirait qu'on était dans le palais de Buckingham. Ah, Big Joe. Don B. Big Joe. Le Don Billions. Ouais. Désolé de vous avoir fait attendre. J'étais au téléphone avec ma femme. Elle est à Dubaï pour les congés. Ah. Alors, tu t'es déjà marié? Je suis marié depuis 4 ans maintenant. Wow. Honnêtement, vous n'en avez pas l'air. Vous êtes très chanceux. Veuillez vous asseoir. Merci. Eh bien, nous sommes encore de bons célibataires. S'il était possible de se marier, eh bien, on se serait déjà marié. Mais bon, tout va bien. Alors, que puis-je vous offrir? Eh bien, pour l'instant, rien. Allons-y, discutons, et peut-être après la conversation, peut-être qu'on aura faim. Mais pour le moment, on n'a pas soif du tout. Même bien de sûr. L'eau, on n'en veut pas. Il a raison, on ne veut encore rien manger. On a besoin de rien, même pas d'eau. Ok, très bien. Je vais aller droit au but. La nuit dernière, je me suis fait la promesse de ne cacher aucune information me concernant. Oh. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur. Mais, vous devez me faire la promesse. Tout ce que nous partagerons ici restera ici. Personne ne doit connaître ce contenu. Eh bien, Je le promets, je fais une croix sur mon cœur. Je le promets aussi. Tu me le faisons promets. La promesse. Big Joe, tu dois me le promettre. Tony. Monsieur. Promets-le-moi. Je vous le promets. Très bien. Je travaille dans le réseau Internet. Oui, le réseau Internet. Dans l'arnaque? C'est comme ça que vous appelez ça? C'est de l'escroquerie? Ouais, je... As-tu acquis tout ce que je vois dans cette maison? Je veux dire, ton train de vie, tes voitures et tout ça. Tu les as acquis à travers ce réseau? Oui, tu peux le voir. Mes frères, je ne voudrais pas vous donner du poisson. J'aimerais vous apprendre à pêcher du poisson et devenir des maîtres dans l'art de l'artisanat. Ok. On t'écoute. Nos oreilles t'écoutent. On t'écoute. Nous? Ok, oui. Nous vous écoutons, monsieur. Nos oreilles sont à vous. J'ai une liste de produits que vous devez avoir pour commencer ce business. Une seconde. C'est quoi cette histoire, mec? Sortons d'ici discrètement et allons-nous-en. Big Joe, tiens. Ça, c'est la liste de tout ce dont vous aurez besoin pour commencer ce business. Oh. 350 000 naira? C'est un problème. Mais Don, où est-ce qu'on va trouver ça? Où? Don. Nous le jurons devant Dieu. Si nous avions cette somme d'argent, 3500... 350 000 naira? Nous ne serons pas du tout ici. Tony, hmm?
Ça, c'est rien comparé à ce avec quoi j'ai commencé. La route du succès est remplie d'embûches. Et il y aura beaucoup d'obstacles. Tu vois? Rien ne viendra facilement. Les gars, Azza Boys, dépensent, comptent et sont titubés. Aidez-vous les gars. Du fric. Je veux dire beaucoup de fric. Désolé monsieur, excusez-nous. Je vous en prie. Ce n'est pas comme si nous n'étions pas intéressés. Ce n'est pas comme si nous ne voulons pas faire d'efforts. Mais, nous n'avons pas 300 000 naira. Je pense que 350 000... Oh, 350... Oh, Dieu Tout-Puissant. 3500 naira est un souci. Tony, je sais que c'est dur, mais je ne vous force pas, les gars. C'est votre vie. Si vous voulez le faire, vous savez quoi faire. J'ai d'autres préoccupations. C'est comme ça qu'on commence, petit à petit. On n'a qu'à suivre le processus et nous commencerons à bâtir des choses. Big Joe, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il a soudainement changé avec nous? Il n'est pas fâché, c'est juste que tu comprends... Ce n'est pas le même ami qui était avec nous lorsqu'il est venu faire des achats. C'est vrai, il ne nous a même pas donné le transport pour venir. J'ai dû utiliser mes derniers sous pour me coiffer, pour venir ici. Big Joe, on doit partir d'ici. Attends. Allons-y. Je te demande d'attendre. Bon, très bien. Tu sais même pas ce qu'il y a dans cette maison, tu veux juste partir. Grand frère. Abba. Tu... C'est comme si tu avais voyagé. J'étais en train de te chercher. Où est-ce que tu étais passé? Bien, cela me revient. Qu'en est-il de ce qu'on a parlé la dernière fois? Steven, j'aimerais que tu me prêtes de l'argent, si tu en as un peu. Je sais qu'en tant que ton grand frère, je devrais être celui qui te prête de l'argent. Et non, le contraire. Mais cependant, il y a cet entretien d'embauche que je dois impérativement faire. Je ne sais même pas s'il est préférable que je laisse tomber cet entretien d'embauche. Je dois tout laisser tomber. Comme ça, moi, j'aurai un peu de paix. Non. Non, grand frère. Tu ne laisseras rien tomber. Ni maintenant, ni jamais. Parce que je crois que j'ai foi qu'à travers ce job, Dieu te fera... sourire. Tout ira bien. Ok. Grand frère, voici un peu d'argent. Tiens. Je veux que tu ailles à cet entretien. Oui. Steven. Grand frère. Où est-ce que tu as eu tout cet argent? J'ai vendu mon téléphone. Et j'ai ajouté ça sur l'argent qu'il m'a donné. Pour passer Noël. Je crois que tu en as besoin plus que moi. Non. Non. Je ne prendrai pas cet argent. As-tu pensé à ce que Ie dira lorsqu'elle saura que tu m'as donné l'argent qu'elle t'a demandé de garder? Je me fous un peu de ce qu'Ie va dire. Je m'en fiche. Grand frère, tout ce qui m'importe, c'est que tu te rendes à cet entretien. C'est le plus important. Quand tu auras ce boulot, Ie n'aura plus rien à dire. S'il te plaît, prends-le. Vas-y.
Steven. Oui. Je t'en voudrais ça. Tu m'as fait comprendre que tu es mon frère de sang. Dans ma prochaine vie, si la réincarnation existe, tu seras toujours mon frère. Merci. Sans problème, grand frère. Sans problème. Hein? Je suis content que tu l'aies accepté. Essuie tes larmes. C'est pas la fin. Ton histoire n'est pas terminée. Seigneur. S'il te plaît, essuie tes larmes. Merci. Je t'en prie. Merci. Hey. Non mais c'est quoi cette vie? Je t'assure que tout c'est t'ira quoi, bien. S'il te plaît, j'aimerais vraiment te parler. Vas-y. Tant que ça n'a rien à voir avec toi qui demande de l'argent. Vas-y, je t'écoute. Maman, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me détestes autant? Chaque jour qui passe, tu m'amènes à me poser des questions si tu es vraiment ma mère. Arrête-moi ça. La prochaine fois, apprends à me parler en tant que ta mère. Moi, cette nourriture, comme c'est ce que tu voulais. Seigneur. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur. Je sais qu'un jour, je réussirai dans cette vie. Et toutes ces bêtises cesseront. The agonies of life have taken away my joy. Temptations everywhere, who will help me out? Who will understand my pains? Life, what have I done? No one to help, no one to tell. Oh God, please come wipe my tears. God of justice, my life is in your hands. Big Joe, Tony. Monsieur. Vous êtes si drôle. C'est quoi ça? Que suis-je censé faire avec ça? Ceci ne peut même pas payer l'inscription d'un seul mois. En parlant même pas d'avoir un ordinateur. Pensez-vous que nous faisons dans la vente des crevettes et du piment? C'est quoi tout ceci, Tony? Dis, je peux pas te mentir. C'est tout ce que nous avons. Ok, écoute, t'as qu'à nous tester. Si tu veux, amène-nous chez un ritualiste. Le plus gros montant que nous pouvons produire, c'est 5 000 naira. Je produirai 3 000 et lui, il produira 2 000. C'est le plus gros montant, même si tu nous amènes chez un marabout. Danbe, s'il vous plaît. Nous vous en supplions au nom du Seigneur. Je sais que tu veux vraiment nous aider. Je t'en prie. Tu veux vraiment nous aider et tu sais que nous n'avons pas cet argent. Hein? Ça a été si difficile pour nous de réunir cette somme qui est sur la table. C'est vrai. Même si tu décides de nous amener n'importe où, que ce soit dans le Agbapa, que ce soit dans le Ring Road, ou alors ici à Agbapa, dans les Ryoryo. Nous ne pouvons trouver l'argent nulle part. C'est tout ce qu'on a pu réunir. C'est vrai ce qu'il dit. Tu es un don. C'est bon, levez-vous. Hein? C'est bon, laissez-moi prendre mes clés et mon téléphone. Merci. 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 Merci beaucoup. Life is a journey. No one knows. Alors, ok, ça c'est Jude. Il est le plus ancien dans cette affaire. C'est lui qui prend la tête lorsque je ne suis pas là.
Alors tout ce que vous désirez connaître, demandez-lui et il vous dira. Mais aujourd'hui, je vous montrerai un truc dont vous aurez besoin de connaître. Tout d'abord, vous devez télécharger Yahoo Messenger. Oui, Yahoo Messenger. Jude, s'il te plaît, montre-les. Tony et Big Joe, Yahoo Messenger. La raison de ce message est de faire en sorte que nous puissions nous échanger des informations et des fichiers et bien d'autres. Un partage d'informations rapide. Ok, bon, je vais vous montrer. Nous avons besoin d'un réseau très important de l'avoir. Parce que sans ce réseau privé, nous ne pouvons pas accéder à toutes nos informations. Parce que le réseau du Nigeria est très limité. Donby, s'il te plaît, je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec le nôtre. Ok, parce que j'arrive. Je viens. Non, il y a une situation. Il y a une femme complètement nue qui est en train de prendre son bain. Une femme nue? Connecte-toi à Internet, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Connecte-toi à Internet. Vas-y, connecte-toi. Une femme est en train de prendre son bain ici. Fait. Big Joe, Tony, qu'est-ce que c'est? Vous regardez de la pornographie? Hein? Mais t'as dit qu'on doit télécharger... Ça, c'est du porno. Je vous ai demandé de télécharger Messenger. Vous regardez quoi comme ça? Je savais pas... Mais Donby, ne soyez pas offensé. C'est normal qu'elle continue à prendre son bain dans notre machine. Allez! Je sais pas, mais quand je vais dans ce réseau privé, c'est du porno qui s'affiche. S'il te plaît. Vas-y, entre là et clique. Oui. C'est toujours la même chose. Pourrais-je essayer? C'est toujours du porno. Est-ce que je peux essayer? Attends, non. C'est pas moi qui ai apporté ce porno. Regardez, Tony, Big Joe. En aucune occasion, que personne... N'utilise ma connexion internet pour regarder du porno dans ce bureau. Jude, s'il te plaît, je dois prévenir ces gars. Okay, mais c'est quelle histoire, ça? Puis-je essayer? C'est pas de notre faute. Approche c'est ça pas... comme ça. C'est pas de ma faute, c'est juste que ça... Peux-tu tenir ma main? J'arrêterai ta main pour manger. S'il te plaît, puis ce système. Ah, laisse-moi essayer, non? Va sur Google. Vas-y, voilà, message. Vous passez votre temps à cliquer sur du porno, pourtant c'est là, c'est évident. Les gens qui utilisaient ce système... Ne voyez que du porno. Quoi qu'on clique, tout ce qui se trouve, c'est du porno. Mon Seigneur, tu vois ça? Regarde, regarde. Non, mais c'est quoi ça? Vous êtes étrange. Ah, Jude, viens les montrer ce qu'ils doivent faire. C'est quoi ces histoires? Elle se met du concombre. Ah! C'est justement là le problème, c'est un site de prostituées. Je savais juste que c'était une question de temps, avant que vous ne reveniez. Vous pensiez qu'il était juste question de prendre un laptop et d'ouvrir. Cliquez et puis boum. Et ensuite vous serez payé, n'est-ce pas? Les gars, il y a plus dans ce jeu que ce que vous imaginez. Les gens qui font dans ça savent que ce n'est pas facile. Mais ceux de l'extérieur pensent que c'est facile. Ça ne l'est vraiment pas. Don? S'il te plaît, qu'est-ce qu'on doit faire? Bonne question. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Tellement d'options. Et la question est-ce que vous êtes prêt? Êtes-vous prêt à réécrire votre destinée? Nous sommes prêts. Parle pour toi, Big Joe. Je suis prêt. Je suis prêt. Bien. Vous devez laver les mauvaises mains de votre destinée afin de voir la lumière à nouveau. Wow. Don Billion, demande-leur juste de m'apporter du savon et de l'eau. Et aussi du détergent pour que je puisse me laver les mains. C'est juste se laver les mains. Que je puisse me laver les mains avec du détergent et... Tony. Oui, monsieur. Cesse les rigolades. Vous devez laver vos mains et bouger le dieu de la richesse. Le dieu des richesses? Oui, le dieu de la richesse. C'est des gens comme vous qui contrôlent le groupe Aza. Écoutez,
J'amène 6 de mes gars voir le dieu de la richesse dans 6 jours, afin qu'il les aide à restaurer leur destinée. Le dieu de la richesse ? Oui, le dieu de la richesse. Le dieu de la richesse ? Si vous n'êtes pas prêt, la porte est juste là. Don Billion. J'ai déjà pris ma décision. Je suis prêt à réécrire ma destinée. Ouais. Big Joe, si tu te sens à l'aise dans ta situation présente, alors tu peux partir. Mais si tu choisis de rester, il n'y a pas de demi-tour. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut sortir de ce pays pour pouvoir réussir dans la vie. Les gars, vous pouvez rester dans ce pays, réussir et devenir riche. Dépensons de l'argent, surtout du véritable argent, du pognon. Votre seule limite devra être votre imagination. Je suis prêt. Je voudrais devenir riche. Je suis prêt à donner n'importe quelle partie de mon corps. J'ai dit n'importe quelle partie de mon corps. Juste pour être riche. Dès le moment que j'ai l'air en bonne santé et que je suis riche, je n'ai pas de soucis. Alors je suis prêt. Alors, réjouissez-vous. Estimez-vous chanceux d'être compté parmi ceux qui vont dîner avec le dieu de la richesse. Voici du vin. Célébrons votre nouvelle vie. Réjouissez-vous. Life is a journey, no one knows the end. Patient in life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Oh, ok, monsieur. Big Joe. Au futur millionnaire. Buvez. Présente les souillés à l'Assemblée des Saints. Grand maître de la richesse et de grandeur, ils voudront être comme nous. Ils ont fait face aux coups et aux peines de la vie. Et ils sont prêts et souhaiteraient à aller de l'avant, mon Seigneur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Joe. Mon nom est Tony. Ziggy est mon nom, grand maître. Jackson, mais on m'appelle Jay-Z. Mon nom, c'est grand maître. Désolé, Sly. Spacko, c'est mon nom, grand maître. Je suis Bruno, tout puissant. Je m'appelle Valentin, monseigneur. Qu'il est présente au temple de Gazuma Machaka. Je le suis, grand maître. Eh bien, tu bénéficies de leur grandeur. Oui, grand maître. Crois-tu qu'ils garderont notre secret? Oui, grand maître.
la route qui mène à la splendeur et au pouvoir n'est pas pour les faibles, encore moins pour les lâches. En ce qui concerne la splendeur et le pouvoir, les hommes sont des hommes. C'est 100% vie pour vie. Souhaitez-vous remplir toutes ces conditions? Oui, grand maître. Pour vous, les démons du monde souterrain seront relâchés. Ces démons seront relâchés pour surcombat vos désirs charnels. Pendant les 14 prochains jours, vous allez demeurer, dîner et fester avec les esprits du monde souterrain. Ceux qui serviront les esprits du monde souterrain avec un cœur brisé seront récompensés par la mort. Réjouissez-vous, car il y a de la lumière au bout du tunnel. Vous serez récompensés par la richesse, le pouvoir et la gloire. Gazuma Machaka! Des enfants sont là! Gazuma Machaka! Le dieu de Asa! Gazuma Machaka! Prends notre joie et donne-nous la richesse! Rera-Asa! Suma-Asa! Masi-Asa! Les délices de la vie! Et les mains glacées de l'au-delà. Kazuma Machaka! 100% âme pour âme. Nous sommes les fils de la nuit. Nous sommes les fils de Kazuma Machaka. Prends nos âmes. Prends l'essence de notre existence. Et en retour, donne-nous la richesse. Ferasa, Sumasa, Matisa, le goût de la vie et les feintes froides de l'au-delà. Kazuma Machaka!
payer le prix pour vos doses. Gazuma Machaka! Des enfants, ça là! Gazuma Machaka! Le dieu de Gaza! Gazuma Machaka! Prendre notre joie et donne-nous la richesse! Eraza! Sumaza! Massisa! Les délices de la vie! Et les vins glacés! Êtes-vous fatigué, les gars? Cela est supposé être une question? Comme tu peux le voir, nous sommes tous épuisés. Je veux dire, nous subissons ça depuis une semaine déjà. Alors qui ne le serait pas? Bien au contraire, Big Joe. Ça ne sert à rien de se plaindre. Parce que nous l'avons bien cherché. J'aime cet esprit, Tony. Ne vous inquiétez pas. Très vite, tout ceci sera terminé. Dès que l'exercice rituel sera complètement achevé. La porte de la richesse sera grande ouverte pour vous. Et quiconque d'entre vous subit la mission désintéressée. Et le flot de la pluie sera comme une pluie incessante. Don Billion, je t'ai promis, je te serai toujours reconnaissant. Tout ira bien. Je m'inquiète juste pour Sly. Il est couché là, sans vie. Mes frères, vous devez apprendre et accepter que le dieu de la richesse lui a ôté la vie afin de vous rendre riche. En ce qui concerne le corps, le grand maître décidera. Nous avons des règles. Nous avons des lois. Ici. Ainsi, nous voulons prendre part au festin sur la table du grand maître. Préparez-vous donc. Car ce soir sera le meurtre de notre sacrifice. Les démons du monde souterrain ont été relâchés. Alors, préparez-vous à combattre avec eux physiquement. Oui, la bataille de la richesse n'est pas pour les lâches et les faibles. Vous avez choisi d'écrire vos noms et vos destinées. En gros caractère. Alors vous combattrez les esprits du monde souterrain. Vous connaissez toutes les conséquences de telles actions. La mort. Mais vous serez récompensés par des richesses. Des richesses! De grandes richesses! Vos noms seront synonymes de grandes richesses. Ah! Mais quand est-ce que tout ceci finira bien? On est là depuis des jours, ça fait des jours maintenant. Je veux rentrer chez moi. Big Joe, arrête. Arrêtez pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sera bientôt fini, mon frère. Je ne vais pas du tout rentrer à la maison sans avoir mon argent. Sois patient, tout sera bientôt terminé. Gazuma Machaka! Des enfants sont là! Gazuma Machaka! Le dieu de Gaza! Gazuma Machaka! Prends notre joie et donne-nous la richesse! Gazuma Machaka! Prends notre joie et donne-nous la richesse! Eraza! Sumaza! Massisa! Les délices de la vie! Et les vins glacés!
prendre notre choix et donne-nous la richesse. Il existe un pacte que vous devrez garder. Un pacte à ne pas briser. Le pacte de Kazuma Machaka. Avec ça, vous êtes un par la chair et le sang avec les esprits du monde souterrain. Kazuma Machaka. Nous le saluons. Life is a journey, no one knows the end. Patient life brings you back to you. In the journey of life. C'est très bien. Ah, continue. Donc, Ie, moi je ne mérite pas ce merci. Pourquoi ça? Tu demandes quoi? Un merci? Regarde autour de toi, tu n'as même pas nettoyé la cour et tu es là à raconter des bêtises. Ah bah. Est-ce que tu vas te taire? Ie. Quoi, Ie? Si je me mets à balayer le travail d'Erosa, c'est quoi? Que ferait qui? Erosa. Ferme ta bouche. Donc elle doit laisser le tapioca et aller balayer alors que tu es à la maison. C'est une femme, oh. C'est bien. Finis avec ça. C'est bien. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, ma fille. Je m'appelle Sandra. Mon fiancé est un ami de Tony, votre fils. Ah bah, viens t'asseoir, non? Viens t'asseoir. Ah bah, on ne laisse pas les jeunes filles debout comme ça chez nous. Hein? Uh-huh, voilà, tout ce Merci. Que tu sais faire. Assieds-toi, ma fille. Du courage. Merci, ma fille. Je suis venue pour voir Big Joe. S'il est ici, ça fait déjà quelques jours que je ne l'ai pas vu. Ça fait une semaine que je ne l'ai pas vu. Ma chérie, si je n'étais pas en train d'aider ici à la cuisine, présentement, j'avais l'intention d'arriver chez toi. Pour la même raison. Est-ce que tu sais que depuis 2 semaines, je n'ai pas de nouvelles de mon frère Tony? Et comme si ça ne suffisait pas, son téléphone est toujours éteint. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est étrange. C'est la même chose avec Big Joe. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ce n'est pas ça à quoi je pense. J'espère que mon frère n'a pas été kidnappé. Ne me faites pas rire. Qui voudrait kidnapper ces deux-là? Ils devraient aller se battre pour leur vie. Et dès qu'ils auront réussi, ils pourront revenir. Et... kidnapper? Qui? Ces deux-là? Oh, yeah. Ah, vas-y doucement. Hé, hey, ma fille. Est-ce que tu as dit que ce gars, Big Joe, est ton fiancé? Oui. C'est ton fiancé? Oui, maman. Hey! Est-ce que par hasard tu t'es bien regardée? Tu es une belle fille. Une très belle fille. Entre Big Joe et mon fils Tony, je ne sais même pas lequel est pire. Hein? Peuvent-ils ne serait-ce que prendre soin d'eux-mêmes? Pour des hommes, je ne sais pas ce qui leur arrive. Je suis aussi dépassée.
que toi. La mauvaise communication corrompt les bonnes mœurs. Tu vas fermer ta bouche. Ferme-la. Attends-moi là. Ma chérie, peux-tu imaginer? Essaye d'imaginer combien j'ai eu à dépenser pour les études de mon fils Tony. C'est comme si j'avais perdu mon temps et mon argent. Pour aggraver la situation, il me dit « Je veux voyager pour l'étranger. » Il veut voyager pour l'étranger alors qu'il ne m'a pas encore montré le résultat de tout ce que j'ai dépensé pour son éducation. Ces deux sont les personnes les plus paresseuses que j'ai jamais vues de toute ma vie. Exactement. C'est exactement ça. Ils sont très paresseux. Abba. Très paresseux. Abba. Eosa, juste pour la prochaine fois. Eosa, s'il arrive la prochaine fois que les aînés sont en train de faire du commérage, mets quelque chose dans tes oreilles. Momona, ouais. La repagbe, tu en as déjà assez fait. Tu ne me donnes pas la paix dans cette cuisine. Parana, ouais. Ok, ça va. Merci, maman. Viens. J'étais même bien fatiguée. Merci, oh. Continuez. Reviens ici, j'ai terminé. Je ne reviens plus, crois-moi. Maman. Regardez-le. Reviens ici, reviens terminer ce truc. Maman, ne t'en fais pas, laisse-moi t'aider, c'est bon, ça va. Ah ah. Kazuma Machaka. Tes enfants sont là. Kazuma Machaka. Tes enfants sont là. Kazuma Machaka. Tes enfants sont là. À l'ouest, le fils de Jacob, est mort étranglé. Il est devenu un agneau sacrificiel. Pour vous, sept autres. Il est devenu un agneau sacrificiel. Juste pour enrichir vos sept autres. Et pour cela, il lui sera donné des funérailles dignes. Tous les fils de Kazuma Machaka doivent être présents. Ne vous en faites pas pour l'enterrement, car dans sept jours, je vous rendrai capable pour cet enterrement. Félicitations, jeune homme. Money making machine. As a boss. Spending without thinking. As a boss. Billionaires in town. As a boss. Spending without limit. As a boss. Money. As a boss. Money making machine. As a boss. Clear out for them. As a boss. I say hold your baby. As a boss. As a boy, sir. As a boss. Clear out for them. As a boss. See them, they are coming. As a boss. As a boss. Money making machine. As a boss. Spending without thinking. As a boss. Billionaires in town. As a boss. Spending without limit. As a boss. Too much money. As a boss. Money making machine. As a boss. Clear out for them. As a boss. I say hold your baby. As a boss. As a boss.
as a boss. Clear it for them as a boss. See them, they are coming as a boss. Money making machine as a boss. Spending without thinking as a boss. Billionaires in town as a boss. Spending without limit as a boss. Too much money as a boss. Money making machine as a boss. Clear it for them as a boss. As a boss, as a boy, sir, as a boss, clear it for them, as a boss, see them, they are coming, as a boss. As a boss. Money making machine as a boss. Spending without thinking as a boss. Billionaires in town as a boss. Spending without limit as a boss. Too much money as a boss. Money making machine as a boss. Clear it for them as a boss. As a boss. As a boy, sir. As a boss. Clear it for them. As a boss. See them, they are coming. As a boss. Clear it for them. As a boss. Money making machine. As a boss. Spending without thinking. As a boss. As a boss. Spending without limit as a boss. Too much money as a boss. Money making machine as a boss. Clear it for them as a boss. I say hold your baby as a boss. As a boy, sir. As a boss. Gazuma Machaka! Tes enfants sont là! Gazuma Machaka! Tes enfants sont là! Gazuma Machaka! Tes enfants sont là! Que les morts enterrent leurs morts! Life is a journey, no one knows the end. Patient life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Journey of life, my time is not your time. Give all you have to life.
life is a journey, no one knows the end. Patient life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Yamo. Osao. Je ne comprends pas ces derniers temps. Hier, je t'attendais à notre coin là, le coin que tu connais là, pour qu'on puisse faire le truc là. Toi, tu... Hein? J'ai pris une, deux, trois. Ah, tu me dis que tu arrives. Moi, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que t'as... Ah, ah! Tu dis un, deux, trois! Je t'ai dit, non? Mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je n'ai pas voulu venir. Hein? Quand je venais, mon frère, si tu voyais ce que j'ai vu en route... Qu'est-ce que tu as vu? Si tu voyais... Ah, pas la moto n'est rien. Ah! Fallait voir des caisses. C'était des caisses. Mon frère, c'était pas une, pas deux, pas trois. Pas quatre, pas cinq. Ah, ah, c'est sérieux ce que je dis. C'est très sérieux. Si tu avais vu ce que c'est, ce que ces Anglais appellent voiture sophistiquée. Mon frère, c'est comme ça que ça défilait. Fi, mon frère. Tu veux savoir ce qui s'est passé après? Une pluie. Une pluie de festival d'argent. Mon frère. T'attends. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Attends un instant, c'est moi qui parle, laisse-moi terminer. Comme tu peux le voir, j'ai encaissé l'argent. J'en ai mis devant, de côté, j'en ai mis là, j'en ai mis derrière, j'ai mis ta part derrière. Mon frère, fallait voir l'argent partout. J'ai toujours su que tu étais une bonne personne, tu as pris ma part de soi. Tu le sais, mon frère. Aïe, c'était du lourd, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais c'est toi qui as dit que tu as mis l'argent même derrière, que c'était grave. Que attends. Tu ne comprends pas, laisse-moi te raconter l'histoire. Sly était bien mort. Je ne sais pas comment, même étant mort, il a pu communiquer. Et dire à ces gens que j'étais en train de ramasser de l'argent. Mon frère, si tu vois la claque qu'ils m'ont donnée, pareil. Aïe. Mon frère. Hein? C'était un peu. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils t'ont giflé? Mon frère. Aïe. Hey, si tu avais vu cette claque, même mes dents bougeaient. Même comme tu parles à moi, je te crois pas. Écoute, si tu avais vu mes dents bougeaient, elles ne sont plus en place. Lorsqu'ils m'ont giflé, blablabla. Mon frère, c'est comme s'ils ont ramassé tout ce que j'avais mis là, ici, de là, là, tout. Ne me regarde pas comme si je te racontais des salades. C'est vrai ce que je te dis. Donc tu as fini de me regarder. Tu m'as bien regardé. Tu oses me dire que l'argent, mon argent, que tu m'as aidé à ramasser. L'agent sur lequel venait de faire tous mes projets. Hein? Ils ont récupéré. Ils ont pris cet argent sur tes mains. Mon frère, ça n'a pas été facile. Hein? C'est quoi ce monde méchant? Donc, ils ont pris mon argent. On se dit que c'est pour moi parce que tu l'as ramassé pour moi. J'ai ramassé. J'en ai mis plein les poches, plein les poches. Tu es un vrai vaurien, mon frère. Tu ne sais rien, tu ne vaux rien. Regarde les babouches que tu portes, regarde-toi. Donc, mon argent... Ça ne vaut pas la peine. Tu t'en vas pas la peine. Pourquoi tu fais ça? Tu es un vaurien. Oh, pourquoi tu ne me crois pas? Oh, ok, écoute. Tu peux demander au défunt si je te raconte des mensonges. Non!
Life is a journey, no one knows the end. Patient life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Iye, ton fils Tony s'est fait de l'argent. Finalement, je me suis fait de l'argent. Prends-le. Iye, tu vas boire de l'argent. Tu vas manger de l'argent. Gama. Tu vas te laver avec de l'argent. Gama. Iye, j'arrive. Détends-toi. J'ai un message à délivrer de la part de Big Joe à Sandra. Je vais aller rencontrer Sandra. Oh, j'arrive. Sandra. En passant, où est mon frère? À la boutique. Je lui ai demandé d'aller m'acheter quelque chose. Iye, je reviens. Ah. Je reviens. Mais attends. Je reviens, je vais pas perdre de temps. Je reviens. Je t'en prie. Vas-y d'abord, mon fils. Ngoma, mon garçon a réussi. Ngoma. Je vais te tuer avec de l'argent. Je vais t'enterrer avec de l'argent. Oui, mon fils. Tu vas boire de l'argent. Je vais boire. Tony est de retour. Iye, va te nourrir d'argent. Je vais te laver avec de l'argent. Tu vas te nourrir d'argent. Je vais manger. Tu vas te laver d'argent. En fait, tu seras complètement couverte d'argent. Ne tu t'inquiète pas. Encore le j'arrive. Ngoma. Je reviens. Ngoma. Permets-moi d'abord de finir ce que j'ai envie de Ngoma. Faire. Je reviens. Tony, tu... Tony, j'ai toujours su que tu allais réussir. N'oublie pas de revenir. N'oublie pas. Ne mets pas long. Je vais faire ton plat préféré. Ngoma! Mon fils a réussi. Nous avons de l'argent maintenant. Beaucoup d'argent. Je l'ai dit à mes amis. J'ai toujours su que Tony allait réussir. Je l'ai toujours su. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Ngoma, je suis gâtée. Je suis vraiment gâtée. Nga, tu... N'oublie surtout pas de revenir. Bien, Sandra, j'ai dû envoyer mes gardes te récupérer pour t'amener jusqu'ici. Je sais, tu t'es sûrement demandé où je t'ai passé, mais tu vois, les choses ont changé. Oui. Et Sandra, je t'ai promis que je réussirai. Et quand je réussirai, je vais te gâter. On ne dépense pas sans compter. Comment as-tu... Tu as très bonne mine. Comment as-tu fait pour avoir tout cet argent? Tu ne devrais pas demander comment... Comment je suis devenu riche. Big Joe. Tu m'as traité de tous les noms. Big Joe. T'as dit que je n'allais jamais réussir. Des dollars. Sandra, je t'ai dit que j'allais te gâter. Hey! Je t'ai dit que j'allais me faire de l'argent. J'ai confiance. Hey! J'ai confiance. Sandra, tu m'as traité de petit idiot. Non. Que je ne suis pas digne d'être appelé Big Joe. Non. Tu es un Big Joe. Tu ne m'as pas Je t'ai dit que j'allais me faire de l'argent. Non, tu n'avais pas bien entendu. Et quand je vais me faire de l'argent, je vais te Big gâter. Joe. Sandra, tu m'avais dit. Tu m'as dit que chaque fois que j'emprunte de l'argent chez toi, je ne te rembourse pas. Non. Tu ne me dois rien. Ça et va. Maintenant, je te paye. Non. Tu ne me dois rien. Ça va. Et pas en Naira. Et Big Joe. Tu vois, c'est pourquoi je t'aime. Je te l'avais dit. Big Joe. Je vais continuer à te gâter et te faire comprendre que on ne dépense pas de l'argent en comptant. L'argent. L'argent partout. On dépense de l'argent sans maintien. On vas-y, couvre vas-y, le oui, sol d'argent. Bon. L'argent partout. On fait tout ce qu'on veut. L'argent. Mais non, maintenant, super tu m'appelles Joe. Comment Super Joe, tu me rends tellement Je vais venir dans ce village. L'argent. Et je vais construire un shopping moderne dans ce village. En fait, je vais venir dans ce village, acheter toutes les terres dans ce village. Toutes les terres vacantes, j'achèterai, même celles qui sont occupées. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi, Bitio. Je me souviens maintenant que tu m'as dit qu'un homme t'achetait à manger. Non, c'est un ami. Ne fais pas attention à ce feignant, cet imbécile. C'est un ami. Et dans cette nourriture, il n'y avait pas de viande. Je blaguais seulement avec lui.
Pas de poisson, je l'ai mangé comme ça. Désolé. Sandra, je vais te gâter. Je vais te donner tout ce dont tu auras besoin. T'as traité mon alimentation. T'as traité mon alimentation. Tu l'as traité de kiosque. Ce n'était pas un kiosque. C'était une alimentation. Sandra, je vais te gâter. Je sais. Attends, je reviens. Il y en a encore. Je savais que tu allais me rendre heureuse. Hein? Je savais. C'est pour ça que je faisais tout ce que je faisais là. Pour que tu... C'est pourquoi je ne faisais que te mettre la pression, te mettre la pression, te mettre la pression. Hein? Ah, je savais que tu allais me rendre heureuse. Ah, voilà ça maintenant. Hey! Gimo moyame. Yeri nyo moyame. Gama gama, gama gama. Gama gama, omononje akwichame wama. Hey, mon dos. Que je m'asseye. Ah, regardez ce que mon fils m'a acheté. J'ai porté l'autre hier. Celle-ci est très spéciale. Il y a quelque chose de particulier sur cette robe. Hein? Regardez l'autre-ci. Il s'appelle ça, leggings. Eh, Megigyo. Yo, Megu. Je vais porter celle-ci maintenant. Oui, je vais la mettre. Une maman des ambiances. Quand je vais mettre celle-ci, je vais ressembler à un ange. Mon fils Tony. J'ai toujours su que Tony n'allait pas me décevoir. Il fallait que je le pousse. Les enfants de nos jours, on doit les pousser. Oh. Oh, je l'ai poussé. Regardez maintenant. Moi, une maman. Hein? Une mère qui s'amuse. Thank you.
Mais qu'est-ce qui se passe? Réponds. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Hey, maman est morte. Maman. Oh. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Bébé. Tu t'es senti bien, n'est-ce pas? Oui, très bien. Je connais ce regard. Je sais que tu as besoin de quelque chose. Bien sûr que tu le sais. Dis mon nom. Don Billion. Dis-le à nouveau. Don B. Je n'ai pas de temps. J'ai tellement de trucs à faire. Mais tout d'abord, laisse-moi répondre à tes besoins. Combien as-tu besoin déjà? 20 000 naira. Prends-en 50 000. Oh mon Dieu! Moi, donne million. Je dépense sans réfléchir. Merci, bébé. Ok, chérie, va t'habiller. Un de mes gars va te déposer. C'est comme tu le désires. Merci, bébé. Merci, Dombi. Bébé. Tu es prête? Oui, je suis prête. D'accord, Jude Deyo, il t'attend. Il te ramènera, ok? Je t'appelle plus tard. D'accord, à la prochaine. D'accord, à la prochaine, prends soin Merci. De toi. Merci. Je t'en prie. Jude. Oui, elle arrive. Tu sais quoi faire. Pas d'erreur, ni d'excuses. Spending without thinking. As a boss. Billionaires in town. As a boss. Spending without limit. As a boss. Too much money. As a boss. Money making machine. As a boss. Clear out for them. As a boss. I say hold your baby. As a boss. As a boss, clear out for them. As a boss, see them, they are coming. As a boss, life is a journey. No one knows the end. Patient in life brings you back to. In the journey of life, my time is not your time.
Hey mec, tu as vu cette meuf? Don Billion a fini avec elle. Comme il a fait avec... Comme il fait rêver toutes les autres mec. Filles. Oui, c'est mec, oui, monsieur, il a fini monsieur, avec... Oui, monsieur. Ah, je t'assure, il est passé à un autre niveau. Les gars, vous voyez? Don ouais. Billion a demandé qu'on garde cette voiture-ci quelque part et que nous puissions passer notre chemin. Déchargeons-la rapidement. Et pourtant, le but de cette voiture était bien d'exécuter cette mission, non? Depuis longtemps, mon frère. Si nous sommes partis si vite, c'était pour déposer cette voiture. Elle n'est même plus utile. On n'utilise pas des carcasses. On n'utilise pas des carcasses. On n'utilise pas des vieilleries pour accomplir des missions, les gars. Pas du tout. C'est long, mon frère. Plus d'argent arrive. Les gars, ils vont nous entendre dans cette ville. Non, non. Ils ne sont même pas prêts. On va tout dégager. Écoutez, les mecs. Don Billion, c'est un homme. Mon frère, c'est lui qui connaît. Il connaît la chose. Bébé, branche-moi, s'il te plaît. Branche-moi. Que veux-tu dire par branche-moi? Veux-tu m'aider à manger l'argent de mon petit ami? Hein? Il est déjà devenu ton copain? Et quelqu'un que tu as rencontré il y a seulement 3 jours est déjà devenu ton copain? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il t'a dit que lui et moi, on a couché ensemble? Est-ce mauvais de tomber amoureuse? S'il te plaît, bouge. Vous êtes tombé amoureux juste comme ça? Ok, pas de problème. S'il te plaît, tu sais que les mecs riches comme eux ont toujours des amis qui cherchent des jolies filles célibataires. Hein? S'il te plaît, branche-moi, je t'en prie, branche-moi. Anifred, s'il te plaît, relaxe-toi. Hein? Relax, ce n'est pas la fin du monde. Je vais te brancher. T'inquiète, ce mec a des potes. Vraiment? Des potes, tu vois. Ils ont du fric. Hey. Cessons de parler, oh. Tu que nous avons notre sœur, là. Madame, je sais tout. Elle nous écoute. Bébé, s'il te plaît, allons à l'extérieur continuer cette conversation. Anifred. Oui, madame. Natacha, vous avez besoin de Jésus dans vos vies. Est-ce la raison pour laquelle vos parents vous ont envoyé à l'école? Merci. Vous avez des examens la semaine prochaine. Au lieu de lire vos bouquins, vous êtes là à parler des mecs. N'allez pas lire. Quand vous allez échouer? Hey, regarde-moi cette fille. Bébé, allons poursuivre notre conversation d'ailleurs. Allons-y. Vous avez besoin de Jésus dans vos vies. Hey, et toi? Tu seras là à faire la fille de l'église. Et moi, je viendrai te chercher ton mari et toi le jour de votre mariage dans ma voiture. Idiot. Vous avez besoin de Jésus. Que Dieu ait pitié de vous. Grace. Pardon, laisse ces filles. Tu sais que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faut les laisser. Merci, ma sœur. Clear it for them. As a boss. Money making machine. As a boss. Spending without thinking. As a boss. Billionaires in town. As a boss. Spending without limit. As a boss. Too much money. As a boss. Money making machine. As a boss. Clear it for them. As a boss. I say hold your baby. As a boss. As a boy, sir. As a boss. Clear it for them. As a boss. See them, they are coming. As a boss.
for them. As a boss. Money making machine. As a boss. Spending without thinking. As a boss. Billionaires in town. As a boss. Spending without limit. As a boss. So much money. Life is a journey. No one knows the end. Patient in life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Mon frère, es-tu sûr de pouvoir le faire? Eh bien, voici ma salle de jeu. Je vois. Alors, voyons voir le vainqueur. Tu vois, la dernière fois que je t'ai dit que j'étais marié et qu'elle était à Dubaï. Maintenant, tu vois la réalité en face. Mon frère, vous avez fait du bon choix. Vraiment? Être un homme. Voyez-vous, la seule chose qui compte pour moi dans cette vie, j'ai dû la sacrifier parce qu'elle était têtue et maladroite. Nous sommes allés très loin. Pour laisser quiconque, qui que ce soit, empêcher notre progrès. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tony, tu dois vraiment te détendre. Tu dois te détendre. Au moins maintenant, t'es riche, t'as de l'argent. Tu nous as, lui et moi, comme ta nouvelle famille. Tu dois juste te détendre. Mec, regarde-moi, regarde-moi. De toute ma vie, j'aurais jamais pensé que les femmes courront après, juste comme ça, et n'importe comment. C'est pas possible. Voyons, sérieux. Big Joe. Je dois grandement te remercier pour m'avoir redonné le sourire. Honnêtement, quand toutes ces choses sont passées, quand tout cela s'est produit, eh bien, je croyais que c'était la fin du monde. Mais regarde comment je souris maintenant. Tout cela grâce à toi. Je viens juste de réaliser. Regarde, non. À présent, je comprends que c'est l'argent qui fait tourner le monde. Big Joe! Big Joe! Merci beaucoup. Merci de me redonner le sourire. Et toi, Don B. Mes frères. Je t'en dois une. Tu vois? Je t'en dois une. L'argent cesse les bêtises. L'argent est le seul langage. Que les femmes comprennent. Regardez-vous, regardez autour de vous. L'argent. Je parle du vrai argent. Nous, les Aza Boys. Nous dépensons sans réfléchir, sans même soucier. Du véritable argent. Si tu ne l'as pas, tu perds juste ton temps. Allez. moi, je peux témoigner. Eh ben, regarde-moi. C'est pourquoi toutes ces filles. Chaque fois que je les attrape, je les inflige la peur. Et par occasion, j'absorbe leur énergie. Vous connaissez très bien. À l'instant où je vous parle, je suis en train de rejeter certains de leurs appels. De qui? Les femmes mariées. Vous savez tous combien je raffole des femmes mariées. Surtout celles-là qui sont mariées à leur pauvre, misérable mari. Lorsque je les attrape, j'enlève leurs culottes. Et je me rassure qu'elles dansent au rythme de la mort. Qui a dit que l'argent ne pouvait acheter n'importe quoi? Je veux dire tout. Ah, non, c'est un mensonge. La personne devrait aller mourir en plus. Qu'il aille mourir. On l'a testé, pas vrai, Tony? On l'a testé, non?
On a testé ce que l'argent peut faire et ce que l'argent ne peut pas faire quand tu ne l'as pas. Peux-tu croire que ce Big Joe qui possédait cette boutique dans cet endroit éloigné... C'était une alimentation. Une alimentation. Et maintenant, j'en ai un peu de partout. Ah. Oh, mon vieux pote. Le festival du sang. C'est la lumière de Kazuma Machaka. Kazuma Machaka? Nous te saluons. Kazuma Machaka? Nous te saluons. Kazuma Machaka! Suraza Sumaza Masiza. Et la beauté de la vie éternelle. Et l'étreinte glacée de l'au-delà. Donc, tu dis que tu as besoin de combien? Ne t'en fais pas, j'avouerai l'un de mes gars t'apporter 20 millions de naira demain matin. Oui. Ne bouge pas mes oreilles avec. C'est bon. Tes 20 millions, tu les recevras le matin. D'accord, je te rappelle plus tard, j'ai un visiteur à la maison. Très bien. Monsieur, c'est pour ça que je suis venu vous voir, pour que vous m'aidiez. Mon mari a vraiment besoin de cet argent. Avec ça, il pourra commencer un nouveau business. Alors, de combien avez-vous besoin? 200 000 naira, monsieur. Oh, juste ça? Je vous donnerai 200 000 naira. Mais je vous les donnerai en dollars. Madame, vous savez de quoi je parle. Vous n'avez pas d'enfant. Vous savez ce que je veux. Donnez-moi ce que je veux et je vous donnerai cet argent. Monsieur, s'il vous plaît, je suis une femme mariée. Oh. Une femme mariée. Écoute-moi bien, femme mariée. L'on ne donne rien pour rien dans ce pays. Oui. Me supplier ne résoudra pas votre problème. À moins que vous voulez continuer à rester affamé. Je vous en prie, monsieur. Je suis une femme chrétienne et je ne peux vraiment pas faire ça. Ah. Hey, je suis quoi, moi? Ou alors vous me traitez de païen? Oh, je vous en prie. Allez. Madame. Faisons-le. Donnez-moi ce que je veux. Et je vous récompenserai avec de l'argent. En parlant de chrétienté, de quelle église est-ce que vous êtes? Je suis de Survival Bible Church. Cela facilite les choses. Oui. Après qu'on l'ait fait, après l'avoir fait, vous irez directement à l'église, payer vos dîmes et aussi faire des dons à l'église, aux pasteurs, aux évangélistes. Je sais que cet homme là-haut est un homme très gentil. Il nous pardonnera et nous rendra saints. Il a même dit qu'il lavera tous nos péchés. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, je n'ai jamais trompé mon mari. Oh, je vous en prie, il y a toujours une première fois. Une fois vous avez été vierge, et vous l'avez perdue. En un jour. Donc il y a toujours une première fois. Madame, vous savez qu'il y a une chose que vous ne savez absolument pas de moi. Je sais que c'est la première fois que je vous le demande. Je ne vais pas seulement vous donner de l'argent. Regardez-moi un peu. Je suis chargé.
je vous ferai venir. Je suis un tigre. Oh, allons, chérie. Tu vas l'apprécier. Dis-moi. Je vais te faire ressentir que tu es une femme. Maintenant, dis-moi. Life is a journey, no one knows the end. Patient in life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Ooh. You do has a way of coming back to you. The seed you sow, surely you will reap. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Steven! Grand frère. Steven, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je veux nettoyer l'intérieur. Tu es fou! Tu as perdu la tête? Ne t'ai-je pas plusieurs fois prévenu de ne pas t'approcher de cette porte? Ne t'ai-je pas mis en garde, Steven? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Éloigne-toi de cette chambre! Est-ce que c'est si difficile pour toi? Je suis désolé. Ne peux-tu pas obéir à une simple instruction? Désolé, grand frère. Maintenant, sors! Dehors! Je ne nettoie pas ici. Dehors! Hé! Hey! Idiot! Ma chérie, je te l'avais dit. Allez, lève-toi. Allez, tourne-toi. Ma chérie. Allez. Tu te nourriras d'argent. Oh, génial. Oh, Il n'y a pas de quoi. Assieds-toi. Il y a encore plus d'argent qui arrive. Oh. Comment tu te sens? Oh, relax. Tu es chez moi. Que dirais-tu si je doublais le prix? Je serais très contente. Allons, viens m'embrasser. Je te l'avais dit. Et c'est ça que j'aime. Compte le montant que tu veux et donne-moi le reste. Salut, bébé. Hé, hey, les filles, comment Bien. Vous allez? Bon après-midi. Hé, hey, asseyez-vous. Alors? Bébé,
Je te présente mon ami, Anifred. Anifred, lui c'est Big Joe, mon copain. Anifred, c'est ça? Oui. On s'est déjà rencontrés avant? Non, vous ne vous êtes jamais vus. Vraiment. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je... Bébé, elle est étudiante en troisième année, en banque et finance. Natacha, est-ce que ton amie est muette? Pourquoi ne parle-t-elle pas par elle-même? Non. Vas-y. Comme elle a dit plus tôt, je suis étudiante en troisième année en banque et finance. Bébé, une fin. Et toi? Natacha, tu sais où se trouve la cuisine, tu peux aller te préparer quelque chose, ok? Alors, viens, approche-toi, assieds-toi là. Désolé pour l'interruption et tout ça. Pas de problème. Alors, pourquoi ne me dirais-tu pas quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau à propos de toi? Et Anifred, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a l'air étrange. Je comprends pas, ça veut dire en quoi? En fait, on m'a toujours dit que mon nom a l'air très étrange, mais... Oui. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Anifred. Je veux savoir ce que tu leur as dit. Rien. Life is a journey, no one knows the end. Patient life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Money making machine. Ozaboss.
Azabos. Billionaires in town. Azabos. Spending without limit. Azabos. Too much money. Azabos. Money making machine. Azabos. Clear out for them. Azabos. I say hold your baby. Azabos. 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 Clear out for them. Azabos. See them, they are coming. Azabos. Steven. S'il te plaît, lève-toi, je veux qu'on parle. Grand frère. J'espère qu'il n'y a aucun problème, grand frère. Il n'y a pas de problème. Juste que... Depuis la mort de Iye, j'ai beaucoup pensé à ça. Qu'as-tu exactement en tête, grand frère? Steven. Grand frère. J'ai déjà fait tout le nécessaire pour que tu ailles à l'étranger. Wow. Et j'ai toujours su que... le Canada est ton pays de rêve. Tu as raison, grand frère. C'est là que tu iras. Wow. Et rappelle-toi de la promesse que je t'avais faite lorsqu'on était au village. Tu as un iPhone maintenant. L'iPhone 12 Pro Max. Le meilleur dans la ville. Je t'ai dit. Steven, tu es mon sang. Et je n'oublierai jamais tes bonnes actions envers moi quand j'étais encore au NYC College. Merci vraiment. Je ne l'oublierai jamais. Donc, je suis là pour te le donner en retour. Ton bonheur, c'est mon bonheur également. Alors, je t'ai appelé pour que tu commences déjà à te préparer. Parce que tu voyages dans une semaine. Waouh! C'est d'accord. C'est génial. Écoute, mon frère. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Je t'en prie. Merci, grand frère. Merci. Je ferai merci plus. Énormément. Une fois de plus, merci. D'accord, continue à visionner. Waouh! Canada, j'arrive. Ah, le pays des Blancs! Dès que j'arrive chez les Blancs et que je reviens chez nous au Nigeria. C'est comme mon grand frère fait les petits. Moi, il achète les petites télés. Ma part, ce sera un foie le mur, jusqu'au sol. Ce sera plein partout. Comme ça, si je me couche comme ça, je regarde la télé. Je fais comme ça, c'est la télé que je vois. Il n'y aura pas un coin sans la télé chez moi. Ce sera grave chez moi. Canada, je suis en chemin! Comment tu vas, Natacha? Pourquoi ton visage est comme ça? T'ai-je demandé quelque chose? Allez, passe ton chemin. Désolée, oh. Va-t'en, dégage. Alors, c'est pour cela que tu voulais que je te branche, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu me pousses? Est-ce de ma faute si je lui plais? Natacha, pourquoi es-tu aussi radine au point que tu ne peux pas partager? Et tu veux te réjouir toute seule, pas vrai? Moi, radine. Hein? Écoute, tu mords la main qui te nourrit. J'en finirai avec toi. Mordre? Nourrir? Mademoiselle généreuse. Nous allons voir. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Tu vends? Moi aussi. Ce n'est pas de ma faute si tu te donnes aussi facilement. Et tu comprends ça? Ah. Et par ailleurs, que le plus fort gagne. Excuse-moi. Et moi, donner facilement. Eh, regarde-moi cette maigrichonne. Je cuisine et je donne à manger à ce singe. Mais elle ne fait pas que manger. Mais importe avec elle toute la nourriture. Ah, Anifred, viens ici. Thank you.
et mon cœur. Oui, chérie. Et toi et moi. Tu vas me donner du lourd. Non. Hey, qu'est-ce que je vois là? Hey, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce que je vois là? Oh, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, je vous assure, je n'ai rien vu. Je vous jure, j'ai rien vu. Laissez-moi partir, j'ai rien vu. Hey, calme-toi. Je sais que tu Je sais, calme-toi. C'est bon. Vas-y, pars. Merci. Pars, allez, vas-y. Feraza, Sumaza, Matiza, ton sacrifice est là. Ma chère, tu ne te rends pas à l'enterrement de Natacha? Une minute, s'il vous plaît. Laissez-moi te dire. Dépêche-toi, on va être en retard. Qu'est-ce que tu attends? Bébé, dépêche-toi, nous allons partir sans toi. Il ne me reste que ça. Quoi, moi, je n'ai aucune envie d'arriver en retard. Allons-y. J'arrive, oh. S'il vous plaît, attendez que je gâte. Dépêche-toi, pardon. Un instant, s'il vous plaît. Il te faut 2 heures pour garder un saut. C'est bon, j'ai terminé. Ok, allons-y. Suis-je bien? Oui, tu as mis du noir, ça va. D'accord. What you do has a way of coming back to you. The seed you sow, surely you will reap. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Anifred, comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'étais pas en cours aujourd'hui, que s'est-il passé? Je ne savais pas qu'on avait cours aujourd'hui. Pour ton information, nous avons passé 3 tests aujourd'hui et Prof Akenda a fait l'appel. Je pensais que c'était quelqu'un de meilleur qui devait le faire. De plus, c'est mal. Nous avons perdu une camarade.
Il ne devrait pas y avoir classe aujourd'hui. Les cours devaient se terminer à midi et les obsèques de Natacha commencent à 12h30. Est-ce là où tu vas maintenant? Non. J'ai une personne très importante à aller voir et je n'aime pas du tout le faire attendre. Je pensais que Natacha était ta meilleure amie. Mon amie? Je l'utilisais juste pour obtenir ce que je voulais. Natacha était très radine. Mais à Dieu soit la gloire, il l'a rappelée pour l'éternité. Et puis son âme turbulente reposait en paix. À croire que nous étions ses amis. Et toi, si tu cherches avec qui être amie, tu sais où se trouve la morgue. Son corps y est toujours, excuse-moi. Que Dieu ait pitié de toi, Anifred. Et qu'est-ce que c'est? De l'argent. Oh, vraiment? T'ai-je dit que j'avais besoin d'argent? Ta copine vient juste de mourir et je suis venue ici pour t'assister. Là, vraiment, je suis perdu, je ne comprends pas. Je pensais que tu allais passer la nuit ici, alors... Je t'ai amené ici dans la chambre d'amis. Tu peux pas me dire que tu as fait tout ce chemin juste pour m'assister? Oui. Alors garde cet argent. T'es sûr que tu veux pas cet argent? Garde l'argent. En fait, tu vois, c'est la première fois que quelqu'un fait ça. Refuse l'argent que je donne. Oui. Garde-le du moins pour le moment. Et tu commences à me plaire, toi. Et te plaire? Ouais. C'est trop mignon. Hey, que crois-tu être en train de faire? Je commence à avoir des sentiments pour toi, je commence à t'aimer. Tu es le petit ami de Natacha. Ex-copain. Et puis Natacha est morte maintenant, d'accord? Il n'y a pas de mal à ce que tu prennes sa place. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. D'accord? Allez, viens par là. Tu sais quoi? Je pense que venir ici était une erreur. Anne? Monsieur. L'avocat. Bien, pour dire vrai, vous avez une très belle femme. Merci, merci. Merci. Elle est belle. Juste comme son sourire. Alors, vous êtes marié? Eh bien, bien, bien. Malheureusement, non. Je ne suis pas marié. Je suis encore célibataire, je suis encore un cœur à prendre. Waouh! Donc vous vivez seul dans cette maison? Non, je vis avec mon petit frère. Vous êtes vraiment un homme accompli. Merci beaucoup. Vous avez besoin de vous trouver une femme le plus tôt possible. Eh bien, vous avez raison. C'est ce que tout le monde ne cesse de me dire. Eh bien, vous savez qu'il y a plein de filles là-dehors. Mais une épouse? Je cherche une bonne épouse, mais cependant, je ne l'ai pas encore trouvée. Oui, une épouse. Monsieur Tony, pour couper court, je pense que je vais vous montrer les documents. Oh, c'est la chose la plus importante. Allez-y, montrez-moi. Oh, ok, ok. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok. Je suis d'accord avec le prix.
Le seul problème que j'ai ici, c'est que je ne recule devant rien. Alors, n'attendez pas un chèque venant de moi. Je peux seulement vous payer en liquide. Je vous donnerai cet argent, bim, en autre monnaie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oh, waouh, mais c'est formidable, Monsieur Tony. Merci. C'est d'accord, ça marche. Madame, vous dites que vous ne voulez pas prendre un verre? Non, c'est bon pour moi. Mais j'ai autre chose que je pourrais vous proposer. Non, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Que pensez-vous d'un champagne de 21 ans d'âge? Non, ça va. C'est d'accord, je vous en prie. Maître, excusez-moi, j'arrive. Oh, mon partenaire. Waouh, cet homme est véritablement riche. Tu peux le dire. Hey! Il ne s'est même pas plaint. Même pas du tout. C'est le plus beau jour de ma vie. Honnêtement. Depuis que je suis là-bas. Et moi, je suis content pour toi. Maître! Bien. Ah, Monsieur Tony. J'ai triplé votre argent. Oh! Ouh. Mais c'est génial. Je sais vous. Waouh, 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 waouh. Wow. C'est d'accord. Hey! Oui. Hé, hey, allô chérie? Est-ce que tu m'entends? Oui, je veux absolument te voir. Absolument. Est-ce que je peux te faire un appel vidéo? Afin que tu me montres tout. Hein, est-ce que tu as suivi ce que j'ai dit? Oui. Ok, ok, ok. Tony. Hey! Tony! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Iye, s'il te plaît, je t'en prie, Iye. Je t'en prie, ne fais pas ça. Tu m'as tué à cause de l'argent. Iye, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je vais te tuer. Hey! Iye, je t'en prie. Iye, je t'en prie. Je t'en prie. Je vais te tuer. Iye, je t'en prie, pitié. Je t'en prie, Iye. Je vais te tuer. Pardon. Iye, je t'en prie. Et puis, Tony. Je t'en prie. Iye, 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 pardon, Iye, hey. Où est-elle? Pitié, 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 pitié. C'est un rêve. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? What you do has a way of coming back to you. The seed you sow, surely you will reap. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let Tu aimes ça? Bébé. Oui, chérie. Je pense qu'il est temps que nous pensions au mariage. Waouh. Ce serait génial. Mais, et ton mari alors? Mais je vais divorcer. Avec pour motif des différends irréconciliables. Oh, différends irréconciliables? Ouais. Hein? Et qu'en est-il de tes enfants? Je n'en ai pas. Waouh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je t'aime énormément. Ah, je doute fort. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je t'aime énormément. Ah. Ah, allez. Mon avocat de mari n'essaie vraiment pas s'y prendre comme toi. Tu viens juste de le dire. Tu veux dire qu'il ne connaît pas te caresser comme ça? Non. T'as touché au non. Life is a journey. No one knows the end. Johnson? Johnson? Oh, oh. Oh, non, non, non. S'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie. Non. Sandra, je t'en prie. Je t'en prie. Sandra, Sandra, s'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît. Sandra. Jason, ferme le portail. Ferme ce portail. Ferme. Bon frère,
Dieu merci, tu es là. Oh, bonsoir, monsieur l'avocat. J'ai beaucoup pensé à ça. Je ne savais pas qu'on pouvait se croiser par coïncidence. Tu sais, ta sœur, ma femme, est devenue étrange. Je ne comprends pas ce qui se passe entre elle et moi. J'ai fait tout mon possible pour essayer de la ramener à l'ordre. J'ai tout fait pour me rassurer que les choses se passent bien, mais elle n'est pas du tout obtempérante, pas du tout. Je ne comprends pas le genre de vie qu'elle mène maintenant. Elle sort n'importe comment, je ne peux même plus lui parler. Elle sort et elle rentre à l'heure qu'elle veut. Le pire, c'est qu'elle rentre et elle compte des dollars partout. Si je lui demande comment a-t-elle eu cela, elle me méprise. Peux-tu imaginer ça? Je comprends pas vraiment pourquoi ma sœur se comporte comme ça, je sais pas. Mais je pense qu'il est grand temps que j'implique mes parents dans cette affaire. J'informerai papa et maman de ce qui se passe. Afin que les choses reviennent à la normale. Qu'en penses-tu? C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Mais j'en ai ras-le-bol. Mais beau-frère, putain... J'en ai vraiment ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de tout ça. Je crois que je dois y mettre un terme. Et je crois bien que je dois lui dire au revoir pour tout ça. Mon beau-frère, on n'est pas encore arrivé à ce point, d'accord? Laisse-moi voir ce que ma famille peut faire à propos de ça, d'accord? D'accord, okay, c'est d'accord. Tu peux faire tout ça, mais je crois qu'il faudrait un miracle pour que j'y pense encore. D'accord, tout ira bien. Ok, merci mon frère. Dieu te bénisse. Mon beau, tu les salues de ma part. Maman, papa et tout le monde. Ok, d'accord. Tu as brisé le pacte de Kazuma Machaka. Le jour où tu as laissé ces hommes mortels qui prétendent être les serviteurs de celui qui est omniprésent. Entrez dans ta chambre. Grand maître, je voulais juste... Oh, ferme-la, espèce d'animal. Tu dois être puni. Grand maître, les suspicions de ma femme prennent de l'ampleur. Chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas sans rien me dire? Femme, s'il te plaît, je n'ai pas le temps. J'ai quelque chose d'important à faire. S'il te plaît, je n'ai pas le temps. Attends. Qu'en est-il de ce dont on parlait la dernière fois? Qu'est-ce que c'était? Concernant le fait de faire venir un pasteur pour qu'il prie pour nous. Et s'il te plaît, ne dis plus ça. Je pensais que nous avions parlé de ça. Je n'ai vraiment pas le temps. Lorsque j'en aurai du temps, on en parlera, ok? Pour le moment, je n'ai pas de temps. Pourquoi est-ce que tu agis toujours de la sorte quand j'aborde ce sujet? Pourquoi? Écoute bien ceci. Tu agis comme si tu étais la seule concernée par ce problème d'enfant. Oui, je suis la plus concernée. Je suis celle qui passe tout son temps dans cette maison. Tout ce que tu fais, c'est de rentrer et de repartir à chaque fois. C'est quoi tout ça? Écoute-moi un peu. Si Dieu avait voulu qu'on ait d'enfants, il ne t'aurait pas rendu stérile. Dan Billion, moi, stérile? Quelque chose cloche quelque part. Non, je pense qu'il y a un truc qui cloche dans ta famille. Ma famille? Oui. Tu vas revenir et me trouver dans cette maison. Maintenant, c'est et ma famille. S'il te plaît, ouvre le portail. Ouvre le portail! Oremus paterne Santa Maria! Oremus paterne Coronava Santa la Maria! Ebrekete bracata bracata! Ebrekete bracata! Je détruis tout! Je détruis tout! Je dis dans Exode 13, verset 26 qu'il n'y aura pas de femme stérile! Amen! Je te commande d'être féconde! Sois féconde! Multiplie-toi! O Coronava Santa la Santa! Oremus pater! O Coronava Santa la Maria! O toto ta prata ta prata! In the name of Jesus! Holy Ghost! In the name of Jesus! Tota plata! Par la puissance Amen. De Jésus-Christ, peu importe la puissance Amen. Qui opère ta vie, je me fiche de savoir qui connaît cette puissance du monde occulte dans cette maison. J'étais bien dans cette maison. Je détruis tout. Je détruis tout au nom tout-puissant de Jésus. Je détruis tout au nom tout-puissant de Jésus. Je détruis cette puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je détruis tout travail du diable, toute œuvre du diable dans ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au
Tu porteras ton bébé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu donneras naissance Amen. Au nombre d'enfants que tu voudras. Amen. Au nom puissant du Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Tu accoucheras Amen. Une fille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Femme, réjouis-toi. Oh, toto, ta plata, ta plata. Oh, coronavasanta, la basanta. Oh, coronavasanta. C'est quoi ce cirque? Qui êtes-vous? Oh, coronavasanta, la basanta. Oh, coronavatata, manadavatata. Bébé? Qui êtes-vous? Que faites-vous là? C'est qui cet homme? Bébé, calme-toi. Pourquoi tu l'as laissé entrer dans ma maison? Faites-vous dehors. Oga? Dites-moi. Qui êtes-vous? Bébé. Sortez. Hors de ma vue. Mettez-vous dehors. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quel genre de mari ça? Seigneur, Don Billion. Femme. Don Billion, ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi tu l'as laissé entrer ici? À mon autorisation. Don Billion, ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce Pourquoi qui ne va tu pas as fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? J'ai fait venir un homme de Dieu pour qu'il prie pour nous. Nous sommes sans enfants depuis 6 ans que nous nous sommes mariés. Tu ne cherches même pas de solution à ce problème. Tu es juste en train de me frustrer. La seule raison, pour la seule raison pour laquelle tu es encore dans cette maison, c'est parce que je t'aime. Tu m'aimes, Don Billion. Et bon, c'est l'héritage entre que là-bas. Sur cette terre, va là-bas, les enfants. Bouge, bouge. Mais tu me frustres. Je reviendrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur! C'est quel genre de mariage ça? Je suis fatiguée, j'en ai marre! C'est quel genre d'homme ça? Toujours en train de me frustrer! Ça faisait 6 ans de notre mariage. Chaque année, je sacrifiais le fruit de mes entrailles. Pour Gazuma Machaka. Elle a commis l'erreur de laisser entrer le servant de l'omniprésent dans notre maison afin qu'il prie pour elle. En faisant cela, elle a profané la maison consacrée à Gazuma Machaka. Il est temps de payer le prix. Gazuma Machaka demande un sacrifice de sang. Grand maître, je souhaite payer mon sacrifice. Le sang de ta femme est tout ce dont Gazuma Machaka a besoin. Non, grand maître, je vous en prie, épargnez sa vie. C'est la raison pour laquelle je vis. S'il vous plaît. Gazuma Machaka est ta seule raison de vivre. Tu as 7 jours. Je te donne 7 jours. Il y aura un festival de sang dans ta maison. Il n'y aura plus de paix jusqu'à ce que la volonté de Gazuma Machaka sois accompli. Les esprits du monde souterrain ne s'arrêteront pas tant qu'on ne leur donne pas ce qui leur appartient de droit. Nul ne pourra dormir pendant que Machaka est debout. C'est la raison du sang. Eraza, Sumaza, Masisa. Tony. Grand maître. Big Joe. La raison pour laquelle vous avez rejoint cette fraternité était pour mettre à jour vos destinées. C'est un privilège offert à peu de gens. L'opportunité vous est présentée par ce festival de sang. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de gain.
Les nouveaux membres doivent organiser le festival de sang. Et ça sera le meurtre de chaque partie. Et vous, vous avez à présent l'opportunité de nous ramener des âmes. Car sans sacrifice, il n'y a pas de gain. Sumaza, apporte-moi les masques de la mort. Don Bilion. Oui, grand maître. Tu sais quoi faire de ça, je crois. Oui, grand maître. Je sais quoi faire avec cela. As a boss. As a boss, money making machine. As a boss, spending without thinking. As a boss, billionaires in town. As a boss, spending without limit. As a boss, too much money. Anifred, monsieur, comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors c'est toi qui es en charge de la distribution des masques? Oui, monsieur. Tu es sûr de pouvoir gérer ça? Certaine. Ok, voici les instructions. Je veux que toutes les filles présentes portent ces masques. Et je voudrais que tu sois professionnelle et discrète. Oui, boss. Ok. Jude, remets-lui les masques. Merci. Tu dois être professionnelle et discrète. As a boss, clear it for them. As a boss, money making machine. As a boss, spending without thinking. As a boss, billionaires in town. As a boss, spending without limit. As a boss, too much money. As a boss, as a boss, clear it for them. As a boss, I say hold your baby. As a boss, as a boy, sir. As a boss, clear it for them. As a boss, see them, they are coming. As a boss.
Coucou les filles. Bienvenue à la fête du zoo. S'il vous plaît, veuillez bien suivre les instructions. Dans cet endroit, nous avons des règles et des principes. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, s'il vous plaît, rentrez. Voici les règles. Sans un masque, vous ne pouvez pas entrer. Il y a un souci? Il n'y a aucun souci. S'il vous plaît. Veuillez me donner un masque. Passez-moi un masque. Merci. Merci. Ok, soyez les bienvenus. Bienvenue. Donne-lui un masque. Que ferais-je avec un masque? Sans masque, vous ne pouvez pas entrer. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi porterais-je un masque? Ah, prends-le. C'est ça la règle. Si vous ne pouvez pas le porter, partez. Je n'en ai pas besoin. Peut-être que je vais juste... Calme-toi. Prenez-le juste. Il n'y a rien dessus. Et tu peux juste le tenir. Bienvenue. Salut. Ah, hey, les filles. Mademoiselle. Oh. Soyez la bienvenue. Wow, que de jolies femmes noires dans notre belle communauté. Toutes noires. Parce que j'adore le noir. Parce que le noir, c'est de l'or. Le noir original. Applaudissez pour vous, parce que vous êtes toutes noires. Oui. Toi et la bienvenue. Merci. Don B, pourquoi est-ce qu'elles ne portent pas leur masque? Oh, eh bien, les filles. Allez, mettez vos masques. D'accord, je vais mettre le mien. Et en plus, vous savez, il y a plein de maladies dehors, hein? Ce sont vraiment des choses masquées, des choses spéciales. Un bon masque, n'est-ce pas, les mecs? On aurait dû leur faire porter ces masques dès l'entrée du zoo. Don B. Ouais. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu sais que tu es un don. Tu as de l'argent à dépenser. Et tout devient plus facile. Laissez-moi aller dépenser mon argent. L'argent change les choses. Tony Tonero. L'argent cesse les bêtises. Oh. Oh là. Oh là, oh là. L'argent cesse les bêtises. Oh là, oh là. Oh, allons. Fais ton choix. Désolé. Allons. Laisse ce téléphone. Merci. C'est quoi ça? L'iPhone 13. C'est quoi le nouveau iPhone en vogue? 13 iPhone 13 Pro Max. Oh, juste tes contacts. Balance ça là, je vais t'en acheter un autre. Merci. Ok, à plus tard les gars. Don Billion. Don Billion. Joe. Don Billion. À ta santé. J'aime ça. Pointe et prends, mec. Ouais. Bien joué, j'aime mec. Ton derrière. Ouais, bien joué.
Ça, c'est un ring. Toi. Pourquoi tu me regardes comme ça, hein? Tu veux aller avec moi, c'est ça? En tout cas, viens par ici. Trouvez-vous une chambre. Trouvez-vous une chambre. Allez, allons-y, perdons pas de temps. Allez, viens. Trouvez une chambre, s'il vous plaît. Trouvez une chambre. Va en prendre ça, tantôt, va choisir. Certainement, il prendra celle que je veux. Ce petit enfoiré. Oh, balance. Oh, oui, mec. Balance pour papa. Tu frappes ça avec de l'argent. Tu frappes. Tu aimes les bonnes choses. Les gars, allez vous amuser, les gars. Amusez-vous, les gars. Si j'étais vous, vous devez vous changer, mec. Vous changez dans la chambre. Tourne-toi. Ah, waouh. Oh, mon Dieu. La chair. Un petit popotin qui bouge. Plus qu'un gros popotin. Ah! Jude. Tous ces gars sont allés s'amuser, mec. Calme-toi. À chacun son tour. Nous sommes les derniers, non? Tu agis comme si ça ne t'intéressait pas. Tu te caches derrière ce visage. Qu'est-ce que tu... Et c'est moi que tu attends. Life is a journey, no one knows the end. Patient in life brings joy back to you. In the journey of life, my time is not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Allez, bouge. Oh, oh. Tu aimes, n'est-ce pas? Ton derrière est juste magique. Non, porte ton masque. D'accord. C'est très important. Assieds-toi. Ah! Yeah. J'espère que tu vas bien. Oui. Cet endroit est apaisant. Laisse-moi enlever tout ça afin de mettre tout ceci en évidence. Ah! Tu me laisses d'abord choisir, mec. Tu sais que je suis habitué à 2-3, non? 2? Oui, gars. Si je prends 2, il ne restera rien pour vous. D'autres arrivent. Pourquoi c'est maintenant qu'elle arrive? Peut-être qu'elle arrivait un peu en retard. Je ne sais pas. Tu partiras avec ce genre de fille? Mais tu m'étonnes. Bien sûr que non. Et... c'est comment? Grand type. Comment tu vas? Ça va. On a vu tes filles, elles sont cool. Elles sont cool, ok? Oui, je vais bien. Bruno, où est passé Big Joe? Big Joe? Il est quelque part là-bas. Merci. Ouais, jolie nana. Pourquoi n'es-tu avec aucune des filles? Tu connais mon système. J'aime des parties à trois, tu comprends? Kimbandere, elle est créée à peine de Sondoro Shankarapataya. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin.
Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'ancien des âges. L'étoile brillante du matin, tu es le lit des vallées. Le dieu qui est assis sur le trône de Jaspé. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Nul n'est comparable à toi. Osule Jikopa. Aye brakata brakata sokoshike nakakaye. Jésus. 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 Ah, le mal. Le mal ne peut pas régner dans notre vie. Le mal ne peut pas régner dans notre pays. Ah, bakarashanda bakasha garabasudu. Je ferai la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ferai le travail de celui qui m'a envoyé. Shabaka. Jésus. 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 Pourquoi ne porte-t-elle pas son masque? Mais tu t'es chargé de ça. Hé, bébé, porte ton masque. Vous n'avez pas porté de masque. Pourquoi porterais-je mon masque? Ne pas supposer me poser des questions, j'ai demandé de porter ton masque. Je ne le porterai pas. Jeune femme, sais-tu où tu es? Porte ce masque, mon ami. Madame, faites ce qu'il vous dit. Porte ce masque. Je ne le porterai pas. Je ne le porterai pas. Mon ami, porte ce masque. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je vais te le donner. Ok. J'ai besoin d'une voiture et de lancer un business. Tu as besoin d'une voiture? Oui. Quel genre d'affaires veux-tu? Ok. Combien est-ce que tu veux? Juste 2 millions. 2 millions. Comment te sentiras-tu si je te donne 5 millions? Oh mon Dieu, es-tu sérieux? J'ai juste envie de t'embrasser là tout de suite. Non, surtout pas. Oh, c'est oui, très je important. Le ferai pas. Je t'embrasserai plus tard. Parce que c'est un bal masqué. Un bal masqué. Oh non, oui. Et maintenant, si je te donne 10 millions, comment non, te sentiras-tu? Mais tu veux me tuer là? Hein? Tu veux me tuer? Dis-moi ce que tu feras avec. Oh, tu veux me tuer? Oh là là. Oh bien, ne t'inquiète pas, je t'aime bien. Ah ouais, moi aussi. Très belle. Ah. Alors, maintenant que tu comprends tout, qu'est-ce que tu comprends de nous? J'ai beaucoup réfléchi et je suis parvenue à la conclusion que puisque mon ami n'est plus, et puisque tu m'as prouvé que tu es attentionné, généreux, et quelqu'un d'adorable, donc j'ai décidé de te donner une chance. T'en es sûre? Mm-hmm. Ah.
Gazumi Machaka. Gazuma Machaka. C'est ça. L'étreinte glacée de l'au-delà. Gazuma Machaka. Ah, regarde-moi. Et c'est la beauté de la vie, Gazuma Machaka. Chaka! Ferasa! Sumasa! Matiza! Allez récolter! La terre est fertile! Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu mourras! Et Brigitala, et Brigitolo, Brigitala, Brigitala, et Brigitolo, Brigitala, Brigitala, Brigitolo, Brigitala, Brigitala, Brigitala. Andele bayabana shimbara kanakana shigraga kombote. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Il est écrit dans la Bible. Ne touchez pas mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Par l'autorité de Dieu Tout-Puissant, je déclare et je décrète. Je relâche le feu du Saint-Esprit. Le feu! Au nom de Jésus! Le diable est un menteur. Lève-toi, ma fille. Pasteur, 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 merci papa, merci papa. Va m'attendre dans la voiture. Oui. Je t'y rejoindrai. Oui. Thank you.
Oh, je vous en prie, ne me tuez pas. Je vous en prie, non, ne me tuez pas, ne me tuez pas, non. Non, non. Santa Sherebe, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pourquoi t'as-tu sali les mains du sang? Je suis désolé, pasteur. Je viens de me pardonner, je ne le fais plus. Amen, pasteur. Je vais confesser. Es-tu prêt à confesser? Je vous en prie, pasteur. Priez pour moi, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, priez pour moi, s'il vous plaît. Pasteur. Qui est pasteur? Où est le pasteur? Hein? C'est moi, Tony. Tony? C'est quoi le problème? J'ai eu un rêve terrible. Toi et moi, on a fait des rituels. Hein? Oui. J'ai utilisé Sandra. Je l'ai utilisé pour des rituels. Hey! Et toi, t'as utilisé ta mère. Dieu ne plaise. Je le rejette au nom de Jésus. Dieu merci, c'était qu'un rêve. Hey, oh! Big Joe. On dirait que cette pauvreté est entrée au-dedans de toi. Hey, oh, mon merci, fils. Maman. Mon fils. Yeah, maman. Dieu merci, tu es ici. Mon fils, je suis tellement contente que tu sois ici. Hey, mon fils. Est-ce que tu sais que j'ai fait un rêve horrible? Quel rêve encore? Mon fils, quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que je ne t'ai pas fait du bien. J'ai réalisé que j'étais traitée n'importe comment. Mon fils, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Maman. Écoute, je te promets de te rendre la vie facile. Et je te promets également de te soutenir dans tout ce que tu entreprendras, mon fils. S'il te plaît, ne va pas te salir les mains parce que tu cherches de l'argent. Tu comprends, mon fils? À Dieu ne plaise. Écoute ce que je dis, ne va pas te salir maman, les mains. Maman, tu n'as pas raison de t'inquiéter. Tu vas faire ce que j'ai dit. Ok, j'ai compris. Rien Merci. Ni personne ne pourra m'amener à t'utiliser pour des rituels. Mon fils. Je suis à l'aise. Mon fils. Merci. Merci. Moi également, Merci j'ai beaucoup. Fait le même rêve. Hein? Oui. Toi également? Oui. Quoi? Tu m'as sacrifié dans ce rêve en faisant des rituels. Hey, oh, et tu es devenu riche. Non, mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoute, mon amour. Si je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie. Sandra, c'est bon, ok? Je ne ferai pas une chose Merci. Pareille. Hey! Rien de semblable n'arrivera. Je te le promets. Merci. Viens, assieds-toi. Hey! Maman. Big Joe. C'est exactement ce que je lui disais. Mes enfants, ne laissez jamais personne vous convaincre de faire du mal. S'il vous plaît, ne nous utilisez pas. N'utilisez personne du tout. Maman, rien de ce genre ne nous arrivera. Je te le promets. Amen. Maman, ça n'arrivera Amen. Pas. Je ne pourrai jamais. Maman, t'en fais pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Prions, maman. Hey. On va se mettre à genoux. Tu vas prier pour nous. Ah, maman, tu peux prier. Prie pour nous. Serein. Père éternel. Merci infiniment, Seigneur, de nous avoir protégés. Amen. Amen. Père, ouvre les portes à ces enfants. Amen. Seigneur, bénis-les avec de bons nous emplois. Nous te supplions, Seigneur. Seigneur, là-haut. Seigneur, ouvre-leur des portes. Je les déconnecte de tous ces gens qui pourraient les convaincre de m'utiliser pour les rituels. Là-haut, Daddy. Bonsoir à tous. Oui, bon après-midi bonjour. À toi. Je cherche un certain Joseph Omeregui et... Osa, Tony Osamegi. C'est moi, Tony. C'est moi, Joseph. Ok, voici vos lettres d'embauche des raffineries des huiles. Vous êtes attendu à l'usine à partir de lundi. Vous commencez immédiatement. Quoi? Hey. Je vous ai beaucoup recherché. Vos numéros ne passent pas du tout. Nous avons essayé de vous joindre plusieurs fois, mais rien non, ne passe. Non, c'est rien, on va s'arranger. Ça passe maintenant. Vous êtes attendu lundi matin. D'accord, lundi matin. Ok, d'accord. Oui, okay. Merci. Félicitations. Merci. Mes félicitations. Merci beaucoup. Je vais vous... Merci beaucoup, Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Okay. Merci, Seigneur. Hey, où est-ce, Baba? Où est-ce, Baba? C'est bon, ça y est. Maman, on a réussi. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Hey, où est-ce, Baba? Où est-ce? Où est-ce, Baba? The journey of life, my time is
not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Journey of life, my time, it's not your time. Give all you have to life and let fate have its way. Journey of life, my time, it's not your time.